Attendez. Hop. Incroyable le générique. Incroyable. C'est la soirée JDR. Soirée JDR. Ouh, ça bouge en plus. C'est animé. C'est une vidéo. Alors, il y a ça qui fait du beatbox. Vous l'entendez pas. Bonsoir Twitch. Il veut pas qu'on fasse le générique parce qu'il a peur qu'on soit meilleur que lui, je pense. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Alors attendez, intro c'est quoi? C'est image, d'accord. Je suis en train de fabriquer un intro, un fond dégueulasse, les gens. Vous m'en voudrez pas. Bonsoir les gens. Tout le monde est là, tout le monde est beau. Voilà, ça, ça va aller en arrière-plan. Attends, y a pas une en plus, les citrouilles, encore des problèmes ce soir. Hein. Non, en fait, je répète tout ce que vous dites, c'est pour ça que vous croyez qu'il y a de l'écho, mais... Putain, tu le fais, mais d'une brillance. C'est vrai, moi ça m'éblouit. Alors attendez, j'ai un truc, ça c'est le chat. Qu'est-ce que c'est comme chat? Non, ça c'est le chat. Non, c'est toi le chat! C'est... Alors, Maxime, c'est le chaos, les gens. Est-ce que tu peux parler du projet abandonné? Putain, quel connard! Mon cœur est meurtri et... Grave. Et il en parle comme si c'était de rien. Non, moi je suis là pour en rajouter une couche. Ouais, ben j'avais remarqué. Moi je suis en train... je suis là pour pleurer. Pour faire du mal. Quel salopard. Alors attendez, on refait le chat ce soir en live. C'est quoi déjà, c'est on refait le débat, on je sais plus c'est quoi l'expression. Ça doit être ça, ça doit être on refait. Expression de quoi? Je sais pas. Moi je connais on refait le patch chez Gamekult mais ah, on refait le match, c'est peut-être ça en fait. Voilà, c'est bon. Vous avez le chat qui est bien réglé. Excusez-moi, c'est le chaos. Depuis qu'il y a 500 subs, vous savez, maintenant, plus rien à foutre de live. Alors, le chat devrait, par contre, fonctionner. Je vais rafraîchir. Test. Quand t'as 500 subs, faut que tu les gardes. Merci beaucoup, Basti29. Bon, après deux semaines de non-live pour moi, je fais de retour. Eh bien, écoute, tu fais bien de revenir maintenant. Donc, oui, j'ai une mauvaise nouvelle, les gens. En fait, si vous voulez, l'association, enfin, ça n'a rien à voir avec un projet, hein. On s'en branle, soit dit en passant, c'est juste par rapport aux chatons que j'adopte. En fait, l'association dans laquelle j'adopte ont un peu vrillé vers le côté obscur de la force, et donc, du coup, on ne va pas l'adopter chez eux, parce que je ne le sens pas du tout. Mais du coup, on en adoptera un autre, on ira certainement à la SPA pour ça, ou dans une autre association d'adoption, il y en a plein, ce n'est pas le souci, mais vraiment, ils commençaient à poser des questions vraiment cheloues et très déplacées. Après, on ne sait toujours pas, Maxime, si tous les gens qui sont séquestrés dans ta cave sortent et attaquent le chat, comment tu le défends? T'as pas répondu. En gros, il me posait des fameux what if. En fait, il me faisait des choix de sauver. Je ne sais pas pourquoi on voit pas le chat, hein, soit dit en passant. En espérant que cette fois, tu n'abandonnes pas en cours de route. attendez. Je fais apparaître l'ancien chat pour l'instant. Donc, ouais, un peu déçu. Même beaucoup, hein, on va pas se mentir. Parce que voilà, nous on avait rencontré Chaton, on l'attendait vraiment. Mais alors le chat ne remarche pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Bon, il y en a un des deux. C'est le coup des Illuminati, ça. Et c'est trop bien parce que c'est le chat Delta Green. Donc il est vert. Les couleurs du chat sont. Les couleurs du live là sont sublimes. Je sais pas pourquoi le deuxième chat ne marche pas. Hein. Je vais aller chercher. Delta Green ? Ouais. Trop bien. Alors attendez. Je vais aller sur Streamlab. Bonsoir aux arrivants. Bonsoir à ceux qui arrivent. Vu le son, on dirait que le micro de ces citrouilles est dans son estomac. Mais j'avoue qu'il est vraiment, vraiment très. On ferme ça en fait. Ah, mais c'est parce que je l'ai baissé pour pas qu'il y ait de l'écho. Bon, attends. Mais attends, essaye de. Attends, j'essaie de voir comment tu pourrais. Faudrait que tu le passes par ton. Par tes lunettes. Non, je sais vraiment pas comment faire. Scotch-le au niveau de ta joue. En vrai, par contre, ce qui serait peut-être malin, c'est de voir à te passer... Faudrait qu'on teste, la prochaine fois qu'on se voit, le micro-cravate pour téléphone portable qui coûte que dalle. Et limite, je te l'offre, mais oui, comme mais ça, du coup, ça serait je vous cool. Entendrai pas.
Je crois que Damnat avait un PC. C'est vrai. Non, mais le problème, c'est pas l'ordinateur. Je suis sur mon ordinateur là. C'est ma connexion de merde. Le problème. Là, le problème, c'est là, le. J'ai pas le choix. C'est plus le. Ouais, ouais non, il y a la connexion et le micro. Là, c'est le micro, là, le problème. Oui, oui, le micro, c'est le problème avec le téléphone. Mais la raison pour laquelle je suis pas au micro de mon ordi, c'est parce que ouais. Ma connexion est merdique. Maintenant, pourquoi. Ah, c'est bon, le chat revient. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. On va s'en sortir. Ça allait tout à l'heure, non? Vous m'entendiez normalement? Ouais, ouais. Enfin, non. Moi, donc, oui, pas de. Pas de... Allez, j'adore les gens qui disent ah, Debnet rasé. C'est ça rasé. Genre, vous avez jamais vu quelqu'un rasé. Genre. Voilà, regardez. C'est ça qu'il est quoi, Cécile, du coup Cécile est rasée. Oh, Cécile, l'autre fois, elle avait une aujourd'hui. Barbe. Elle avait une barbe de 3 jours. C'était. J'ai subi un ultimatum. Mais ça reviendra, vous inquiétez pas. La fameuse ombre de midi. C'est ça? Non, 15h. Je sais plus c'est quoi l'expression. Ashrananas qui dit je suis choqué par la coupe et la couleur de Zach. Oui, ça fait déjà quand même. Ça fait pas mal de temps. Ça fait suffisamment de temps pour que ça. Tu parles de ma couleur de peau comme ça. C'est vrai. Arrêtez de parler de ma couleur de peau comme ça. Enfin, ça se fait pas. C'est la troisième fois qu'on le voit comme ça, je crois. Enfin, c'est quoi, Maxime, tu te rends compte du chat raciste que t'as? Bah, je sais que franchement, ça me choque de plus en plus. Surtout. Enfin, 500 Mercure personnes Veta. Racistes. 500 personnes. Ouais, mais ça, ça à force de voir Dabnet faire des remarques bizarres qui sont devenues comme ça. Moi, j'essaie de les empêcher. Hein. Bah, on essaie de. Ouais, Dabnet est un peu. Bah, on sait que c'est le. Voilà, hein, le facho du groupe. Ouais. On le dit souvent. Alors, est-ce que tu peux retirer ton brassard en live, s'il te plaît. Oh, je critche. Waiting for connection. Ok. What the fuck? Maxime, c'est toujours surprise, surprise. C'est joueur surprise. Waiting for connection. I'm gonna play now. I am the leader of the group. I throw the dice. Avec un micro, je me disais que j'allais essayer, mais. I make a saving throw. I win. I win the game. You lose. Ah, d'accord. Bluetooth. Ah, il fait peur. Waiting for connection. Il te répond, moi, ce qui. Je réponds lui, sinon on va tout faire péter. C'est la révolte des IA. Tu fais une attaque. Putain, il a fait un critique. Positif. Il a vraiment fait 1. Est-ce que. Oui, non, c'est à cause de la nouvelle coupe de cheveux de Zach que j'aurais pas mon chat. Tout à fait. Bah, ton ouais, ARG était trop simple, on a été tout trouvé. Quoi? Mais du coup, en fait, Maxime voulait m'adopter, il a vu ma couleur de cheveux, il a fait ah non. Ah non. Ce dit en passant, par rapport aux enquêtes flibustières, je sais pas si Sir Mascox est là, ce serait cool qu'il m'envoie un message, mais je lui renverrai un. Parce que il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, tout simplement. Je suis choqué. Non, ça fait trop genre, il s'est vraiment passé un truc. Non, non, tout va bien, mais c'est juste pour lui infirmer ou confirmer quelque chose. Mais je sais pas, est-ce qu'il a déjà utilisé son premier appel qu'il a droit au poste de police du coup ou pas? Oh, parce que ça fait quand même 3 jours qu'il y est, quoi. Faudrait peut-être que tu le rappelles, Maxime. Demandez au robot anglais de parler à la place de Citrouille, on l'entend plus clair. Oh my god, Jake, you can just ask people why they are white. J'avoue. Vzad, je répondrai à la personne concernée. Au moment concerné. Ouais. Est-ce que le robot peut raconter une blague? Je sais que je suis déjà blanc, mais la webcam me fait paraître encore plus blanc que ce que je le suis habituellement. Et blanc comme un cul, Jex. Bon, là, c'est un peu moins. Le problème, c'est que c'est une lumière blanche, du coup, bah... Merci beaucoup, Godas. Non, je peux pas faire comme ça. J'aime bien les enquêtes étranges. C'est troublant, voilà. Hein. Mais je trouve que ça serait mieux avec un putain de Cthulhu géant. C'est vrai. Caramel, ouais, pour toi, et tes compains. Compains? Salut, Végalipette. 17 mois avec Alipette. Caramel. Du caramel. C'est mieux si je reste comme ça ou ça change rien en fait? Ah, c'est carrément mieux, non? Ouais, mais ouais, t'imagines tenir comme ça un micro tout le temps. C'est pas mon problème. Not my job. C'est si. De toute façon, je vois pas bien à quoi ça sert pas puisque vous m'écoutez jamais. C'est pas mais vrai, si, c'est quoi, mais si, machine. On peut revoir le robot. Il était plus rigolo. Quand il parlait, il disait des bêtises. Je suis désolé, le chat a disparu. Jax, il est tout rose. J'avoue qu'il est... Ah, putain, ça fait dégueulasse la couleur, Jax. Ah, on dirait...
On dirait que t'es dans le club de Détroit de vendredi soir. Ouais, fais gaffe, je vais te traquer. Je vais te traquer, mec. J'ai juste interrogé toutes les putes qu'il y a sur la Terre pour te traquer. Et puis trop beau. Du coup, c'est prévu pour quand l'épisode 2 des cassettes étranges de... Attends, des étranges enquêtes mystérieuses des cassettes troublantes. Janvier, normalement. Oui, on t'entend. Attendez, hein, je reviens. Je sais que c'est resté sur Skyblog. Je sais que c'est tout rose. Il est souvent rose. Il est rose. Bah oui, il est né rose. Il met un filtre, en fait, de base sur sa caméra. Un robot Gex, moi, je l'aurais. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder... Parce que j'ai une simulation du chat sur Streamlabs, mais il y a quand même le vrai chat dedans. Ce qui fait que tu as des suivis de messages qui n'ont aucun sens. Par exemple, j'arrive pas à accéder au Discord, je suis trop nul. Never lucky, Pepe ends. Ou encore, que fait Gex avec sa raquette de tennis? Pog. C'est trop bien parce que t'as des... C'est vraiment trop bien. Je sais pas ce que ça veut dire, Pog. Ah, play of the game, non? Peut-être le smiley qu'il a raté. Waouh, alors, Gex, il y a un moment où il y a blanc et trop blanc. Non mais là, il y a même plus... Enfin, je crois qu'il en fait, il est juste éclairé par les cheveux de Zach. Tu feras gaffe, Gex. C'est je crois juste qu'il y a le temps de tuer le moustique. Tu feras gaffe, Jack, je crois que t'es un petit peu sur X. Non, mais c'est les extraterrestres qui viennent me chercher. J'assume ma couleur de peau. C'est quoi ce paravent? Les gens, ils n'avaient jamais vu, mais il y a un paravent depuis le début. Oui, mais depuis le premier live à JDR. Ouais, vous imaginez même pas ce qu'il y a derrière. Un derrière mur. Le mur. Le mur. Le mur de votre vie. Bon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jack, c'est dehors. Il a mis un paravent pour pas que vous voyez que bah, y a la plage derrière, en fait. Non, derrière, il y a des petites, y a une petite baignoire, il y a un petit matelas en cœur et tout. C'est juste une cam girl, en fait. Et Jack, c'est juste une cam girl. Enfin, moi, je dis ça, mais... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais... Jack Sex 001. C'est vous lâcher. Voyez sur Live Jasmin. Lâcher des tokens. Merci, Codas. C'est trop bien parce que Codas, quand tu le dis vite, ça fait quand même comme si je disais connasse. Merci, Codas. Jax, il me fait vraiment marrer avec sa putain de raquette en train de chercher. C'est comme s'il était, il était prêt à attaquer n'importe quoi qui passe. Je suis prêt. Il y a tu sais que des fois, il l'utilise, mais il est nu. Et du coup, il la pose sur ses couilles. Et... Ah, et maintenant, il n'arrive plus jamais à jouir sans ça. Mais enfin, c'est comme ceux qui pratiquent la masturbation par suffocation, là. Ouais. Ils ne peuvent plus faire autrement. Mais en fait, que... ouais. En fait, il y a un pouce sur sa raquette. Je pense qu'en fait, il réclame des pouces bleus sur YouTube. Et c'est un pouce bleu. Mais t'as encore des moustiques à cette saison, Jax? Oui. Putain. En plus, on a eu de la pluie il y a pas longtemps et tout. Du coup, il y a des flaques partout dans le quartier. Putain, la tristesse. Moi, c'est pour ça que j'adore l'hiver. Les flaques. Et puis, c'est saloperie. On se croirait, tu sais, sur le journal télé quand ils ont pas d'idée de news. Oui, alors le pauvre. Nous avons interviewé ce jeune homme qui se marchait dans la rue après une averse. Ah ben là, il a plu, mais pendant un quart d'heure. Hein. Hey, regardez, l'eau est arrivée jusque-là, chez moi. Enfin, en plus, ça fait chier parce que je viens d'acheter mes nouvelles baskets. Voilà. C'est pas simple quand même. L'assurance, je les ai fait venir, ils ont regardé, ils ont fait « Monsieur, on peut pas rembourser ça. » On peut pas rembourser parce que c'est pas caché en fait. Bah, c'est juste mouillé et puis bon, techniquement, c'est une voiture. Enfin, bon. Voilà quoi. Ah mais mon toit, il était sec ce matin. C'est dans notre voiture, monsieur, vous êtes con quoi. En cas de temps extrême comme ça, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai rien entendu. Excuse-moi, mais c'était trop bien que c'est coupé au moment où t'as dit « En cas de temps extrême, qu'est-ce que vous... » Je pense qu'elle faisait une hypothétique, c'est ça? C'est dur comme réponse. Enfin, trouver une réponse à ça, c'est compliqué. J'ai entendu « Faire avec le chat ». Donc je vais associer les deux. En cas de temps de tempête, qu'est-ce que je compte faire avec le chat? Ouais. Voilà, le laisser chez moi. Putain, mais t'es fou. Imagine, l'eau, elle monte jusque chez toi. Non, mais non, monsieur. On peut pas autoriser un truc comme ça.
J'espère que le chat ne se sentira pas trop. Il y a la même quantité d'eau que dans le jour d'après. Que faites-vous? Alors, 2 litres divisé par... Imaginez, vous rentrez dans un téléporteur, une mouche qui était trouvée aussi. Vous finissez comme dans le film La Mouche. Que faites-vous? Mais quel rapport avec la putain d'adoption? Bah, les chats chassent les mouches. C'est vrai. Et coco. Là, c'est vrai qu'il y a un peu d'écho encore. Oui, c'est parce que j'ai remis le... Bravo. Super force. T'as plus 3, mais t'as 0. Et nous retrouvons Cécile en duplex, place de l'étoile. Ici, les gilets jaunes ont fait un barrage filtrant d'Internet. Ah non, on n'en parle plus. On les appelle les Yellow Jackets. Ce nouveau phénomène qui apparaît à Londres. Et nous retrouvons Cécile. Cécile, bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est une Yellow Jacket? On les appelle les Guêpes de Londres. Pouvez-vous nous en dire plus? Elle est en duplex, ça prend un peu de temps à répondre. Ah, je vous entends en décalé, Maxime. Mais oui, en effet, ici, les gens se sont mis à porter des gilets jaunes. Incroyable. Pour ressembler à... En fait, le printemps leur manque et ils voudraient ressembler à de grosses abeilles. D'accord. Voilà. D'accord. Vous savez, hein, les londoniens et leur coup vestimentaire un peu particulier. Bon. Donc la yellow jacket avec la mini-jupe, c'est ça? Ouais. La fameuse. Très bien. Attends, au revoir. Merci, Cécile, en direct de Londres. Nous rejoignons notre autre intervenant, Monsieur Debounetou, hein, qui est donc... Eh bien, visite en Laponie. Écoutez, mon cher Maxime, je peux vous dire qu'ici, les chiens sont plutôt ravis de nous voir. Ils sont très accueillants. T'as ils sont particulièrement accueillants. T'as pas l'air. Tu m'entends, là? Oui. Est-ce que tu t'entends aussi? Allô. J'entends encore un sifflement. Oui, tu t'entends un peu? Je m'entends un sifflement surtout. Moi, ça va. Sifflement? Oui, quand ça siffle parles, quand tu es actif. Moi, c'est très léger. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça siffle quand tu parles, genre. Un truc insupportable, t'as juste quelqu'un qui est derrière. T'entends qu'elle parle, mon siffler. c'est mon siffleur. Oui, il y a bien une tension quand tu parles. Et c'est horrible. Et qui est abominable. Ouais. Au revoir. Si vous voulez, toutes les semaines, on vous fait un live technique avec ce citrouille. Oh, c'était encore Cécile en direct de Londres. Nous rejoignons cette fois-ci Zakouille la fripouille qui est gilet jaune, nous le confirmons. Oui. Les photos en témoignent, ma oui, présence. Donc, quelles sont vos revendications? Écoutez, moi, j'étais... là, hier, sur les Champs-Élysées, je crois, parce que j'ai quelques problèmes de vue, comme tout le monde le sait. Quel est votre nom sur Twitter, s'il vous plaît? Votre at? C'est je ne sais plus. Avez-vous trouvé je ne sais plus? Ah, attendez, c'est Skizoubravel. Voilà. Oui. Je vous cherche pour mettre la photo. Voilà, ouais, parfait. Pardon. Pour avoir l'image sur Twitter. Attendez, sur le chat. Voilà. Ah, mais je sais pas si on la verra. Enfin, on verra bien. Ce que le chat ne savait pas, c'est que Zach était réellement aveugle. Moi aussi, je manif, mais je suis tout seul. C'est vrai, pourquoi t'as ce truc d'aveugle? Parce que ma grand-mère est aveugle. Ah, d'accord. Bah, c'est pas un drôle. D'aveugle, c'est un club de golf. Moi, je crois qu'il faisait semblant pour utiliser la peine. Mais j'avais pas vu que c'était un truc d'aveugle. Mais faites des dons pour la grand-mère de... Ouais, pour qu'elle soit plus... Non, faites-moi des dons que je puisse recouvrir la vue. Combien de pourcentage est reversé? Vous avez... Tu m'entends, là? Oui. Un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit « tu ». Et du coup, ça fait trop genre... Peut-être qu'il y a que moi sur le live, en vrai. Tout supplément... Il faut que je remonte ton son, parce que là, je t'en Les autres gens, là, c'est des bots, donc... Je vais leur parler, quoi. Tout argent gagné en je plus. Je pense que Debnet, c'est une. Pour acheter c'est un micro. Ouais, t'as disparu. Ah, c'est bon. Non, je sais pas. Je pense que Debnet, c'est une claquette.
Oh, j'ai fait une non, erreur. après, niveau volume, t'es un peu faible, mais ça, on peut monter ton volume, mais sinon, le Bah reste... oui, en fait, j'ai mis le micro de mon téléphone parce que sinon il était des. Bref, j'ai racheté des écouteurs exprès pour ce soir. Ça marche pas, je vais me. C'est un échec critique. Oui. Ça va, sinon? Non. Ah. Faites des dons pour qu'elle puisse s'acheter un nouveau PC. Si tu avais Mais un ça changera chat, rien. mais que... J'ai changé l'image, hein, les gens. L'image est plus belle maintenant. Pour qu'elle s'achète au moins un micro de qualité. Mais même si je mets un micro, il me faut un micro avec des écouteurs, quoi, parce que sinon je vous entends pas. Bah, Après, je un peux vous casque et un micro, parler t'achètes, voilà. et vous pouvez mimer, mais bon. T'achètes Si les deux, tu un casque et un apprends. micro. Si Oh, je tu vais régler apprends. les Si tu... problèmes Mais je peux là pas les et. brancher sur mon téléphone si j'achète un casque et un micro. Ah ben, t'achètes un PC. Discord sur le chat. Mais si Ah, j'avais pas de merci, PC, Colonel O'Neill. j'aurais toujours pas la connexion qui n'a Et c'est pas. pas grave, au moins le problème de micro sera réglé. Colonel Mais dans ce cas, je peux O'Neill me vient mettre de sur mon donner PC là maintenant. C'est pas un 2,99€, problème. euros, donc plus petit que 3, pour toujours plus de soucis techniques avec cette citrouille. Désolée. Maxime, si tu apprenais que tu avais un organe qui était complètement Compris un chaotique orgasme. Oui. et que Merci, l'organe Gré. d'un de, enfin, l'un des organes de ton chat pourrait le remplacer, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le prendrais? Mais en vrai, c'est drôle parce qu'on rigole, mais genre vraiment, il y avait des questions vraiment bizarres comme ça. Hein. Du style, il y en avait une, c'était. Il y en avait une, c'est. Si votre chat avait un problème de santé, à quelle somme seriez-vous prêt à mettre? Un truc comme ça, quoi. Genre, en vrai, comment tu veux que je réponde à ça? Ça change totalement. Enfin, genre, imagine, t'as un chaton, il a 6 mois, et on te dit, c'est 2000 euros de réparation. Enfin, De de frais réparation. Ah, monsieur, faut changer le Comme on a chat. perdu Devenet. Merde. Ah, monsieur, vous l'avez mis, la table de L'adjoint de sourd. QS, il est foutu. Ah, mais Ah, voilà, monsieur, avec faut ça, mettre un peu payer les d'huile de réparations temps en d'Internet, temps. voilà. Ah, vous l'avez Monsieur. pas nettoyé. Là, c'est Ah, sûr, vous êtes si vous allé voulez, trop fort. on peut lui mettre un transformateur à éthanol, hein, si vous voulez. Ah, merde. Comme ça, il se nourrira que d'éthanol. Euros de Peux faire réparation, des chavez. trucs pareils quand je suis en train de boire. Désolé. Mais tu vois, genre 2000 balles pour un chat qui a 6 mois, je pense que je dirais non. Mais maintenant, Nocturne, elle aura un problème. Bah oui, je le mettrai parce que je suis attaché à cette conne. Oui, et si c'est 1 million? Bah non, je ne sais pas. Même pour moi, je ne le mettrai pas. Je fais, bah c'est tout. Qu'est-ce Écoutez, que t'as tant pis, mon million? joint de culasse ne sera jamais changé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va rouler avec le compteur jaune et puis voilà. Mais en vrai, en plus, c'est compliqué parce que t'as. Enfin, en plus, ça dépend aussi parce que t'as des trucs. Bah, en fait, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. C'est une Ah opération oui. qui ne marche pas. Donc tu te dis, mais. Après, en vrai, il est vrai que quand t'as plusieurs chats, c'est peut-être pas une mauvaise idée de prendre une assurance vie pour ton chat parce que c'est pas si cher. Mais là, tout de suite, non. Et puis, enfin, puis au bout d'un moment, c'est votre chat. Genre, vraiment, faites ce que vous voulez. C'est pas grave. Ah, on peut faire ce qu'on veut Non, avec. pas dans le cadre de la loi. C'est bien de Mais préciser. la loi de quel pays? Mais la loi Pardon. Oh mon dieu, au fait, si tu veux, je te partage l'histoire de la sœur de Debnet qui fait aussi les morts avec des chiens. Quoi? Ben, J'ai pas de sœur. Si, pour elle est éviter cachée. d'envoyer des vidéos. On voulait te le révéler à la fin du live. Oh. Oh, t'es trop triste. T'es triste d'avoir une sœur. Oh non, pas une sœur. Bah, Un frère, tu vois cependant. ta femme? Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle. Ce que tu prenais pour Tu habites bien à Lille. Tintin. Je que repars tu bientôt sur la prenais pour. route. Du coup, je me suis déplacé pour rien. Alors, Sir Mascox, comment? Envoie-moi un mail là. Vous l'avez entendu ou pas? Oui. C'est vrai? Ouais. Mon père? Et j'ai C'est entendu un pas. put. Non, c'était pas du tout ça, c'est genre. Ah non, ça va là. Donc tout va bien. Donc je l'ai pas pété. Si vous vous posez la question, je n'ai pas pété. Je suis désolé, le début de ce live est un peu chaotique, mais. Demain, tu peux t'envoyer un MP sur Discord. Mon mail, c'est Gloptopus. Mon mail, c'est Pravi. Ah merde. Mon mail, c'est Gloptopus@gmail.com. C'est marqué en dessous. Ah, MP Discord, bah non, je peux pas en fait. Non, parce qu'il Mais sinon sinon ça va ça casser va toutes nos couper. cams et ça va tout s'afficher sur le live, la conversation. Ça devrait. Ça va tout couper.
Kodas, tu peux l'envoyer sur le live, hein. Ça sur le chat, quoi. Vous faites ce que vous voulez, votre chasseur. Ah, Mickey. Mais c'est, en même temps, c'est une souris. Tu t'attendais à ce qu'il fasse quoi, un chat? C'est vrai. Genre, à un moment, on réalisait, quoi. Debnet, gros cochon qui boit de la Monster Punch. Elle est cool, la Monster Punch. Bah oui, c'est pour ça que je t'en veux. Enfin, je t'en veux. Je suis jaloux, quoi. Les gens, pour revenir sur mon analyse hier, d'ailleurs, je me permets de remettre le lien des enquêtes troublantes, El Enquetos Troublatos, qui sont là. Hein. Hier, j'ai fait une analyse pendant le live par rapport au fait que, bah, pour moi, YouTube ne mettait pas en avant les vidéos fictionnelles, en fait. Et bon, après, il y avait le fait que moi, je suis baisé par l'algorithme, mais c'est moi qui est pas bien joué au jeu. En gros, j'aurais dû poster régulièrement, faire des machins et tout, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est la réalité des choses, et je l'accepte. Mais je vous invite à regarder les chiffres de la vidéo de Superflame, Andrew Bennett, du coup, je crois que c'est bien ça le nom. Vous allez voir qu'il a, je le rappelle, plus de 400 000 abonnés. Il a été partagé sur Twitter par tous les gros de Twitter, que ce soit JDG, Ypensée, plein d'autres gens, même des gens à plus petite échelle, etc. Et il n'a fait, en 24 heures, moins de 30 000 vues. Oh. C'est vraiment pas beaucoup pour un contenu qualitatif. Après, j'ai pas regardé, je peux pas dire si c'est bien, tu vois. Mais c'est qualitatif. Enfin, je veux dire, il y a eu des moyens mis dedans, c'est sûr. Et du coup, voilà, quoi. Moi, je trouve ça assez significatif du fait que, peut-être qu'il y a des, peut-être qu'il y a des soucis par rapport à ça, quoi. Je parle de super connaissance, en fait. Oula, on est encore en écho. Bienvenue. Dans cette soirée. Ah, ça a coupé. Tu disais, excuse-moi, Débounet. Je pense que c'est une mauvaise reconnaissance par les algorithmes de YouTube du type de vidéo, c'est, en fait. C'est volontaire de la part de YouTube, je pense, de mettre ce contenu-là de côté, puisqu'ils savent que ce sont des contenus qui valent cher. C'est bon, là, vous vous entendez plus en écho? Bonjour. Bit. C'est... J'ai changé d'écouteur 4 fois, quoi. Je sais pas ce que c'est, du coup. Hop. C'est Mascox. Je t'invite à regarder tes mails. Ce soir, c'est Boris. Ce soir, Maxime, comment je fais pour poster sur le chat? Tu mets simplement le lien. Tu l'héberges sur Imgur, par exemple. Tu as ce qu'il faut faire dans la description de la chaîne, je crois. Jex, active la raquette pour voir? Non. Voilà, tu veux l'activer? Tous les JDR seront disponibles sur YouTube. J'ai cliqué sur tendance sur YouTube et à l'instant pour voir ce qui marchait, le cancer. Si j'appuie là, ça ne marche pas, hein. Il ne se passe rien. Oh, tu sais, il préfère les tops de Ghost Vulgos de 14 ans et la retransmission de la nuit. Oui, non, mais voilà, mais c'est intéressant de le voir et de constater, en fait, c'est tout. Maintenant, voilà, c'est tout. Ah, merci beaucoup, Ashrananas. C'est cool. Faudrait que tu fasses des mix. Genre, par exemple, les vidéos critiques, ça marche bien. Tu fais, je critique l'abîme de l'abîme. Merde, ouais, c'est trop bien. Regardez cet abîme là, il est pourri, franchement. Je n'irai pas ici, j'ai même pas eu tellement peur. Trop bien. Salut, Sternenko. Le dernier Globimon, il est pas sur YouTube. Alors, c'est possible qu'il y ait un gros retard par rapport au JDR. Ça sera rétabli un jour. Les trucs de Halloween, ils sont sur YouTube ou pas, du coup? Bien évidemment que non. j'ai pas encore mis. Mais ça arrive, vous inquiétez pas, ça sortira un jour. L'abandon des rediffs. Mais non, mais c'est pas un abandon, c'est juste que j'ai déjà du mal à continuer. Je connais pas Superflame. Y a pas de souci, le Olios. Tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on connaît pas sur YouTube. Mais je t'invite à le découvrir. C'est sympathique ce qu'il fait. Après, j'ai pas vu Andrew Bennett, c'est peut-être de la merde, j'en sais rien, tu vois. J'ai pas envie de dire que c'est bien parce que je l'ai pas vu. Mais. Et du coup, je fais toujours de l'écho là ou. Pas trop. 22. Bonjour. Non, ça va là. Bon. Vas-y, essaie de parler pour voir. Oui, je parle. 22, 22. Et du coup, ah, tu fais de l'écho quand tu parles. Parle, on bah, pendant que tu parles, bah, ouais, ouais, malheureusement. Mais il n'y a pas trop d'écouteurs ou. On essaie de pas parler en même temps que. Oh putain, il est là. Tain. 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 Tain.
Putain, c'est ouf. Pardon pour les droits musicaux. Je rends tout à Jack Sparrow. Je crois que je l'ai eu, je suis pas sûr. Bon bah du coup j'ai remis en pro du téléphone. Hein. Je vais allumer pour voir si je le trouve sur le bureau. Ça m'a fait halluciner ça d'ailleurs aussi, les fameux cadavres de chat. De quoi? Dès qu'on t'avait dit qu'il fallait que tu préviennes que c'était des faux cadavres. C'était faux, mais c'était vrai. Hein. Ça je vous garantis c'était vrai. Hein. Les cadavres de chat c'est des 100% vrai. J'y ai pas non plus, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas léché tu vois, mais j'ai pas vérifié si... J'entendais plus parce que j'étais en train de régler mon son et j'arrive, tu dis je l'ai pas léché quoi. On parlait de chat. Morte et sèche. C'est pour ça qu'il fallait lécher. Pour s'en assurer. 100% chat, 100% cadavre. Découvrez les enquêtes flibustières. En vrai, le son de CC est plutôt ok, c'est pas si horrible. Ouais, mais tu t'appelles Dark Angel 597. Permets-moi de mettre en doute. Écoute, Naruto Sasuke, tu vas te calmer. Une très bonne série. Dark Angel. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est une série, Dark Angel. C'est une super série, Dark Angel. Ah ouais, merde. Eh ben, je retire ce que j'ai dit. Excuse-moi pour la peine, c'est toi Godfire qui va prendre une claque. Godfire, puis quoi encore, t'as le feu au cul. En plus, majuscule, minuscule, majuscule et tout, c'est bon. Chat is down, c'est vrai. Ah putain, merde, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que Dead Cat, maintenant, ça sera son pseudo, ça sera Naruto Sasuke 94. Du 94. Ah, putain, mais va te faire enculer le chat, pourquoi il dégage là? Arrête d'insulter les viewers comme ça, c'est Maxime. Notre livre, il dit les Dark Angels, un chapitre de Space Marine tout à fait valable. Mais oui, en plus, c'est bon, le chat va bien. Le moment où Belkan dit ça, ça redevient clean. Incroyable. La PETA porte plainte contre Maxime Robinet pour les cadavres de chats, mais j'en suis responsable. Mais je préviens, hein, dans les enquêtes flibustières, il y aura pire que des chats morts. Hein. Genre, il y a un moment où on voit. Jex physiquement. On voit, on voit Victor aussi. Ouais, physiquement. Parce qu'on voit Eric tremper sa pizza dans du Fanta. Ça c'est horrible. Une vision qui a rendu des gens fous. Hein. Ça serait pas trop drôle en vrai de juste avoir un plan où tu sais, je tourne la caméra et tu vois juste rajouter, mal rajouter, tu vois, genre. Et Eric il fait. Avec sa tête d'Eric quoi. On va pas aller plus loin. Il arrive demain soir, les gens. Y aura-t-il un making-of des cassettes troublantes? Oui. Mais à la fin. Donc pas tout de suite, quoi. Ah, merci, The Corbeau-Blanc. On voit Jex nu avec Debnet et trois chiens. Vous surestimez les capacités sexuelles de Debnet. Deux, c'est déjà beaucoup, en vrai. En vrai, je veux dire. C'est deux chiens, quoi. Et puis, il prend pas des caniches, quoi. Ah non, non. Les petits chiens, c'est des chats, quoi. Donc... Les petits chiens, c'est des chats. Alors, on va dire ça. Alors, d'accord. Les petits chats, c'est des chiens. Les petits chiens, c'est des chats, pardon. Alors, si t'avais un petit chien et que ce petit chien se mettait à se diviser en 7, est-ce que tu continuerais à le nourrir normalement ou bien est-ce que tu en donnerais un? Ou est-ce que tu devrais en prendre un des 7 pour le donner aux autres, non? Tu es sûr de ta réponse? Votre ultime bafouille. J'ai créé ce premier bzo quand j'avais genre 11 ans et j'ai changé dans tous mes comptes sauf sur Twitch parce que on peut pas. Alors, donc Dark Angel, tu es en train de me dire que tu as vraisemblablement un âge peu élevé. Pourquoi ça a planté, enculé? Jax qui se bat en même temps, c'est trop drôle. Ce live de l'apocalypse, quoi. Tu vois, t'as Cécile qui se barre avec ses écouteurs, qui cherche des trucs. Jax qui se bat avec sa raquette comme des moustiques. Non, t'es pas un mec qui insulte le chat. Et moi qui suis con. Il est mort. Du coup, Debnet bouffi, c'est fini. On est retourné sur Debnet qui aime les chiens, je comprends plus. Mais il peut être bouffi en aimant les chiens, les gens. Ça semble cramer là un peu. Jax en feu en même temps. Il a utilisé Godfire. Le making of de l'ARG sera lié au making of des cassettes. ARG quoi? Sérieux, les moustiques en décembre. Alors, j'allais dire, on n'est pas du tout en décembre, mais si, en fait, depuis deux jours. Donc, voilà. Je me suis vu contraint de faire un signalement à l'SPA. Bah oui, je comprends, Lugagne 13. T'inquiète.
Il peut même être bouffi parce qu'il aime les chiens, c'est vrai. Donc ici, il y a bien des représentants des Yellow Jacket. Ah bah oui, je vous l'ai dit. On n'est pas content. Le chat. Mais putain, mais arrêtez avec le chat, vous me fatiguez. Je sais pas pourquoi il veut pas, je comprends pas, il n'y a pas de logique. C'est dans le chat de Streamlabs. Oui. C'est bizarre, hein. Enfin après moi j'ai pas fait de live récemment, donc je peux pas te dire si j'ai le problème, tu vois. Attends. Ouais. Non, j'allais dire que Crowling il en a pas eu sa frame, je crois. Et non, on joue sans le chat. Puis on joue pas en live. Bon, Cécile, est-ce que tes problèmes techniques sont résolus? Bah, ouais. C'est à vous de me dire, en fait, parce que moi, je vous entends bien. Non, donc... on va dire, on vaut mieux éviter de parler en même temps que Cécile Rouille. Vous entendez encore en écho, là? Un, c'est deux. Ah non, c'est bon. Ça a l'air d'aller mieux. Non, vas-y, parle, continue à parler pour voir. J'ai mis le micro de mon téléphone. Non, mais c'est bon, j'ai essayé de parler en même temps et tout. Zago aussi, c'est bon. Attendez, je crois qu'un de mes jeux, un de mes trucs de la manette de pro est pété. Oh putain. Trop d'air. Bon, ça fait, ça a l'air. Enfin, je sais pas, j'en ai une, ça a l'air assez solide. Hein. Bah, surtout que je l'ai pas fait tomber, en tout cas depuis longtemps. Faites des dons, les gens. Ouais, parce que là, du coup, pour rendre la vue à Zach, racheter une manette à Maxime. Mais surtout qu'hier, elle était pas faite. Acheter du matériel pour Cécile. Un peu d'esprit de Noël, que diable. On est le 1er décembre. Deux. On est le 2. Ah bon? Ah oui. Je te dis, c'est... C'est vrai que j'ai été jugé chez Crowling parce qu'ils étaient jaloux. Jaloux que je rate tes lives. C'est la première manette de ma vie que je casse. Et je l'ai pas cassée volontairement. Je l'ai pas fait tomber. Pas sûr qu'elle soit cassée. Peut-être elle n'est pas cassée. La première que j'ai cassée volontairement, c'était sur Evil Weapon. Je crois que t'allais dire que c'était sur quelqu'un. Oui, sur moi. Moi, je crois que j'ai jamais rien cassé d'énervement et tout. Ça coûte trop cher, les manettes. Que ce soit une manette ou une souris, ça coûte tellement cher que... Bah, non, tu peux pas... Je sais pas si j'ai déjà cassé des trucs d'énervement. Je casse tellement des trucs, même quand je suis pas énervé que... Merci, Ariens. Ariens, tu as le choix entre un problème technique d'un mètre 50 ou un gilet jaune d'un mètre 50. Un yellow jacket, pardon, d'un mètre 50. Ah, si, c'est toujours Cécile. Fais attention au caoutchouc aussi, il se détache rapidement. C'est jaune, de quel mais caoutchouc je suis pas un gilet. Tu parles De quel caoutchouc tu parles? Bah, le caoutchouc qui est sur toi, là, mec. Il n'y a pas de caoutchouc sur les manettes de. Sur une manette... Il parle du, gris, du truc grippé, peut-être? Ça? La matière. Moi ouais, ça va. Mais après, je joue pas. Après, c'est pas grave, hein, c'est R1 et R2. Au pire, je mets les gâchettes. Ça s'appelle en RB et RT. Ouais, c'est pareil. En vrai, moi, j'arrive. Enfin, maintenant, ça, j'ai pris l'habitude, mais pour moi, c'est plus clair RB, RT que R1, R2. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, tu ne peux pas te tromper quand tu sais ce que ça veut dire. Bon, les gens. On va commencer. On a pris pas mal de retard. Qu'est-ce qu'on fait, Maxime? Donc, ce que je vous avais. Putain, mais le chat est encore penché. Hey, mais... Ça va faire ça tout le temps. Le désespoir, quoi. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un truc. Deux secondes. Mais tu peux pas afficher l'ancien? Oui, mais c'est chiant. C'est genre. Et je crois qu'en plus, il n'y avait même plus le problème des étoiles, non, sur l'ancien. Si. C'est quoi? C'est stream machin qui déconne ou... Ouais, mais ça fait que chez Maxime parce que. Alors attendez. Ouais, enfin, après, je peux pas dire, parce que Crowling, il a pas le même affichage. Il respecte pas ses viewers, du coup, il fait afficher les messages que quelques secondes. Ah oui, c'est des pop-ins, c'est ouais, ça? Ouais, ça c'est l'option, je ne respecte pas mes viewers. Hein. C'est marqué. C'est chaud. C'est chaud. Je regarde, hein, mais... C'est normal qu'il n'y ait pas de son de sub, Belgan. Il n'y en a pas pendant les lives. Oui, c'est le chat Streamlabs Phantom. Check to make sure correct widget. Mais c'est trop bizarre. Il n'y a pas de raison que ça plante, en fait. Bah écoutez, c'est tout. Hein, on va le laisser. Et, comme ça, je peux rien y faire. Hein, moi. Donc, Mais après, en fait, il se debug tout ça. Parce qu'en fait, il freeze, il s'efface. Et après, hop, ça repart. Ouais, je pense que c'est vraiment leur serveur pour le coup. C'est, ça se tient, tu vois ce que je veux dire. Ils arrivent à une certaine demande et puis ils redescendent. C'est ça.
Ah, apparemment, Phantom dit que Crowling, il a eu des problèmes aussi. Donc, bah, Mortal Soda allemand. Bah, bravo. Je regarde si sur le dashboard, il y a peut-être des trucs, je sais pas. Recent event have been moved. C'est quoi ça? Peut-être ça, hein. Non. Écoutez, tant pis, le chat plantera éventuellement, j'y peux rien, je peux pas me concentrer plus là-dessus. Alors, c'est quand tu as des subs, on dirait. C'est vrai? Yes, la partie grippée, j'ai dû renvoyer la première, la deuxième est pareil. Merde, c'est horrible, Defcon. Surtout sur une manette aussi chère que ça, quoi. Moi, on me l'a offert, donc ça va, mais... Donc, je vous explique. Les joueurs vont tous choisir, chacun leur tour, un ou plusieurs éléments. Et vous allez, vous, le chat, voter pour lesquels. D'accord? Donc déjà, nous allons commencer par quel univers nous allons faire. Donc, quel univers? Donc, ce que je vous propose, c'est que tous les joueurs en proposent un ou deux au choix. Alors, quand je dis univers, ça peut être aussi simple que Medieval Fantastique ou hyper précis comme The Witcher, dans le même exemple, ou bien, genre, un univers où on serait tous des animaux, ou un univers dans lequel on serait des robots, ou un univers dans lequel on est tous la même personne, ou un univers dans lequel... Vous voyez ? Ça peut être n'importe quoi. Donc, je laisse les joueurs un petit peu réfléchir. Sur le chat, n'hésitez pas à faire des propositions que je vais dire à voix haute qui pourront plaire ou pas aux joueurs et qui pourront se l'approprier ou pas. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui propose Space Opera, il y a quelqu'un qui dit Manif de Gilets jaunes, des Furies, Prince of Persia, l'univers de Mario, l'éducation prioritaire... Quoi ? live, vous étiez tous la même personne, les royaumes oubliés de Dungeons and Dragons, un univers où tout fait 1m50, c'est trop drôle, il y a deux personnes qui l'ont proposé à la suite, trop drôle. Un univers où on est tous des canettes de monstres qui doivent s'échapper d'un supermarché, donc ce n'est pas, il n'y a pas une quête comprise dans cet univers, c'est après la quête, d'accord? Donc, est-ce que vous avez des idées là du coup? Ouais. Vas-y, c'est citrouille. On est dans l'univers de chair de poule, c'est-à-dire c'est un univers d'horreur, mais où tous les trucs sont un peu ridicules, mais ils peuvent quand même te faire du mal. Donc, horreur, mais pas over sérieux. Je dirais pas Prince of Persia, les gens, c'est bon. Si ensuite, t'as si t'as une autre idée, ça. T'hésites pas, hein, c'est truc. Ouais. Debunetu. Une uchronie post-seconde guerre mondiale, où les nazis auraient gagné. Ah, ça, moi ça me tente bien. Moi, je veux choisir mon parti. Ça me surprend pas. Les nazis ont gagné. Ça te dérange si je mets Wolfenstein ? Par exemple, non, ça me va très bien. Non, déjà, on va pas mettre Prince of Persia. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu ça, Wolfenstein, finalement. Un univers où on est des virus. Pour rendre les gens malades, on est des virus. Genre sport, tu sais. Ça va être compliqué. Un virus sentient, c'est un peu... bon. Alors, attends. Okay. Ça va être très compliqué à faire, en fait. Peut-être qu'on peut ne pas faire ça. Fallout 76. Merde, alors... je veux. Fallout 76. Vous ne croisez personne. Vous croisez voilà. Que des robots déterminés. J'ai mis avec bug. ça pourrait être drôle, du coup, t'as une autre idée, Jacques? Je réfléchis. D'accord, vas-y, t'avais dit maison de retraite, je crois. Ouais. J'aime beaucoup. Non. Ah non, d'accord, tu veux faire un vieux Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une autre idée ou est-ce que je prends une idée du chat? Ah, pourquoi pas une idée du chat? Donc, ouais. L'idée du chat, c'était les gilets jaunes. Ouais, une manif. Il y a plein de trucs intéressants, il y a plein d'univers marrants. Allez les gens, vous votez pour l'univers, c'est parti. Donc vous avez le choix entre 1, chair de poule, horreur, mais pas over sérieux. 2, hein. Wolfenstein, donc une uchronie où les nazis ont gagné. 3, Fallout 76, avec les bugs. 4, maison de retraite. Et enfin 5, l'univers des gilets jaunes. Les joueurs peuvent voter sur le chat s'ils le souhaitent. Moi je vais voter je pour sur le chat, moi. 3, 4 dommage. Et 5. Je trouve que c'est les plus drôles. Bah, je vais sur le chat, c'est pas pour beaucoup rire aussi. C'est ce que j'allais mettre aussi. 3 et 4 me font rire, moi. Ah,
Alors pour l'instant, ça se tire la bourre, mais la maison de retraite l'emporte bien. Hein, un streamer opportuniste être... surfe sur la vague des gilets jaunes pour faire un stream. Les gilets jaunes et la maison de retraite sont... se tirent la bourre, les gens. Ouh là là, belle remontée des gilets jaunes, mais je pense que ça va être la maison de retraite. Hein. C'est la maison de retraite qui l'emporte. Donc bah, on y jouerait quoi, du coup, des vieux ou des... Ah bah, ça, c'est après la clôture du sondage, quoi. Hop. Ah, dommage. Merde. Alors, pour la maison de retraite. Vous allez me torcher, monsieur. Donc, ouais, les gens, prenez votre médicament. Maison de retraite. On va devoir s'échapper de la maison de retraite. Donc maintenant, vous allez voter pour quel est votre personnage. D'accord ? Donc, ou bien on fait la quête. Non, on va d'abord faire la quête. Quelle est votre quête ? Quelle est votre quête ? Donc, vous avez encore une fois un peu de temps pour réfléchir. Chaque joueur peut voter pour une ou plusieurs idées. Bien évidemment, je lirai le chat pour vous donner des idées. Donc là, je vais le faire. Hein. Donc, des vieux nazis à la retraite. Bien sûr, l'intonation sera de mise en maison de retraite, tout à fait. C'est quoi là, c'est la quête ou le perso? C'est la quête. Et c'est eux qui choisissent? Non, c'est vous, vous allez en choisir un ou deux possibilités que vous avez proposées. Mais voilà. Retrouver ses charentaises, bloquer les Champs-Élysées, retrouver la télécommande de la télévision, s'échapper, retrouver la télécommande, c'est bientôt l'heure de Derek, aller à la mer, arriver à avoir des selles, car ça fait 3 jours, se faire torcher par l'infirmière la plus mignonne, arriver aux toilettes pour ne pas se pisser dessus. Les vieux sont parasités et les soignants doivent les maintenir en stase pour qu'ils n'attaquent pas les gens. Mourir, ça peut être drôle comme quête. Ah merde, c'est vrai que c'est drôle. Une maison de retraite attaquée par les gilets jaunes. Ah oui, alors la quête peut être à la fois des conditions de victoire, mais aussi tout simplement des conditions actuel, comme le dit, attaqué par des gilets jaunes, c'est une condition. Hein. Putain, c'est trop bien, avec un groupe, un en fauteuil roulant, l'autre avec un déambulateur et tout, comme ça tu peux taper avec. Se rappeler qui on est vraiment, Alzheimer Quest. Trouver qui a volé l'argent de Janine. Négocier avec la mort pour délayer leur mort. Toucher le plus de cul d'infirmière. Ne pas se faire voler son argent par ses enfants. Survivre au CRS. Faire une orgie de vieux. Braqueurs retraités qui font une prise d'otage de la maison de retraite pour un dernier gros coup. Bref, du coup, c'est ces trouilles. Sur tout ce qu'on a dit là ? Bah non, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Ça peut être ce qu'on a dit ou autre chose. Ah, je crois que je votais là. Ah non, non, non. D'accord, alors on parle d'Ebnet. La maison de retraite est une couverture pour une expérience scientifique. D'accord, la maison. Genre Volt, genre Voltec. Une couverture. Pour une expérience psychologique, sociologique. Expérience. Ouais, pour faire pousser des calamars sur les vieux. Ensuite, Jexo. Réussir à faire mourir un employé qui martyrise les vieux. Réussir à tuer un. Un membre du personnel, ouais. Enfin, ouais. Un membre du personnel, ouais. Membre du personnel. On veut arriver à marier nos petits-enfants. faire s'épouser leurs petits-enfants. À toi, Zach. Fuir la maison de retraite avant l'heure... Avant l'heure du dîner. Avant l'heure du coucher, ouais, là. Faire avant le dîner. Bon, on ira manger à McDo. Allez, je prends une idée du chat. Il y en avait une qui était pas mal que j'ai lue. Mourir. Mourir, elle est drôle. Ouais, mourir, c'est cool. Oh, laissez-moi mourir. Allez, votez. Numéro 1, la maison de retraite est une couverture pour une expérience chelou. Numéro 2, réussir à tuer un membre du personnel. Numéro 3, faire s'épouser leurs petits-enfants. Merde, numéro 4, fuir la maison de retraite avant le dîner. Et numéro 5, mourir. J'aime bien parce que mourir, quoi. Oh, l'employé a laissé ouvert le placard pharmacie. Quel dommage. Mais franchement, ça peut être tellement drôle. Pour le DMS, mais bon. Mourir. Très bien, très bien. Ouais, mourir l'emporte, mais de
tellement loin. Dans une maison de sécurité. Qui c'est qui avait proposé ça? Le chat, faudrait. Ouais, je sais pas qui a. L'expérience marche plutôt pas mal aussi. Ouais. Dans une maison de retraite super sécurisée, 4 vieux vont essayer de mourir. C'est trop facile de mourir. Ah, tu verras, les aides-soignants. Ah, ça dépend. C'est sûr que. T'as pas tant de trucs à disposition quand t'es dans une maison. Dans une maison de retraite, en plus, t'es vachement surveillé. Enfin, tous les trucs sont pas donnés. Ça va pas être une maison de retraite où on est laissé à l'abandon. Vous avez pas un gun, hein. Moi, je vais fumer au moins 3 cartouches. Tu fais le coup du lapin, c'est bon. Puis vous êtes des vieux. Vous êtes pas mal. Du malin. On est lent. Merde. C'est Colonel Devonil qui dit qu'il dit c'est moi qui ai proposé. Eh bien. Pour aller sur le toit, faut deux jours. Grimper une échelle. T'es en plein été, tu te mets devant la fenêtre. Hop. je m'enferme dans la voiture avec les fenêtres fermées en plein soleil. Donc maintenant, nous allons faire une liste de personnages. Nous allons commencer pour Cécile, mais je précise que. À chaque fois, nous allons rajouter des personnages, mais les personnages que vous avez votés, qui ne seront pas celui de Cécile, enfin, qui ne sera pas celui de Cécile, seront retransmis aux autres, etc. D'accord ? Bon, ouais. Donc, réfléchissez à des types de personnages. Je veux vraiment un truc très court. Hein. Le but, c'est pas de dire, alors, machin. Non, c'est vraiment quelqu'un, par exemple, qui a Alzheimer et qui... Moi, je sais pas quoi, ou quelqu'un qui est sénile et qui je sais pas quoi, ou voilà. Donc... Je laisse un peu de temps de réflexion. Une infirmière. Alors, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé d'être un vieux. La mission de mourir. Si on va mourir. Bah, peut-être que... Alors, tu peux être un membre du personnel et empêcher les autres de mourir. Ça peut être sympa aussi. Oui. Ouais. Donc, on a infirmière. Okay, moi, je voyais bien une équipe un peu de bras cassés. Un déambulateur. Un autre qui a eu peut-être une maladie. Donc, Parkinson, très. Comment ça s'appelle ? Je vais me planter ce couteau. Un Kéradote, là, genre. Moi, quand j'étais jeune. À Mamie toute zen qui voit le bien partout. Oh oui, les petits enfants, ils sont gentils. La voyante. Merde. Mamie. Enfin, la voyante. La voyante parapsychologue. Un vétéran qui n'a pas conscience que la guerre est finie. Vétéran. pense être toujours en guerre. Mais laquelle? Peu importe. Non, mais sur le chat, ils disent Madame Ertigan, mais on peut pas jouer Madame Ertigan. Non, Ertigan, c'est impossible à jouer. Trop compliqué. Vous inquiétez pas, elle sera là. C'est la donneuse de quête. Ah merde, c'est cool ça. Une personne sans aucun filtre social. Ah, trop bien. Ça va, ça. Accro, mais ça ressemble un peu trop à... Enfin, ça sera pas trop un défi, quoi. Je t'emmerde. Le syndrome de Gilles de la Tourette, tu sais, mais version insulte. Attendez. Je suis désolé, hein, le chat a rebugué. Un vieux qui aime pas les jeunes qui jouent dans le jardin. Oh, sors de mon jardin, bande de jeunes. Encore un coup de ces jeunes qui portent des gilets jaunes, là. Un vieux qui pense être jeune et ne pas être à sa place. Pourrait y avoir une ancienne célébrité qui pense que complètement has-been, qui pense qu'il y a encore ancienne connu. Mais... Ah, ça c'est cool aussi, ça j'aime bien. Bon, il y en a 10. Donc, là, je précise qu'on vote pour Cécile. Donc, ne mettez pas un truc qui vous plaît, simplement, mettez quelque chose que vous pensez bien pour Cécile, qu'on soit bien d'accord. Les autres resteront, ça sera les mêmes pour les suivants, on pourra même en rajouter, donc ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, par exemple, un vétéran qui pense toujours être en guerre, ça sera peut-être plus adapté pour quelqu'un d'autre que Cécile, j'en sais rien. Mais voilà, nous votez pour Cécile. Cécile, t'en meurs rien. C'est parti. Donc, attendez, j'agrandis la page. Voilà. Donc, 1, infirmière. 2, vieux pervers. 3, Parkinson très fort. 4, mamie toute zen qui voit le bien partout. 5, voyante parapsychologue. 6, vétéran qui pense être toujours en guerre. 7, une personne sans aucun filtre social. 8, accro au médoc. 9, un vieux qui pense être vieux
Qui pense être jeune et ne pas être à sa place, ou 10 anciennes célébrités. On n'a pas le raciste. C'est vrai qu'on n'a pas le raciste, on pourra le rajouter pour Jacques. On va le rajouter après. Le vieux raciste. Oh, encore un coup de César. Je trouve ça terrible. Vous savez, ils sont pas comme nous, ils sont bizarres. J'ai vu à la télé qui voulait remplacer la Tour Eiffel par une mec. C'est trop bien. À BFM, j'ai vu ça à BFM. Vous savez là, le blé FM, le beurre FM là, le machin. Beurre FM. J'ai lu qu'ils voulaient remplacer les fêtes chrétiennes pour les remplacer par leurs fêtes à eux là, vous savez le truc là. J'ai vu que maintenant ils veulent remplacer les crèches par des poulets qu'on égorge. Quoi? Une chèvre. Ils veulent même qu'on se fasse tous couper le bout du skeg. Le tapis c'est fait pour marcher dessus, pas sans danger. Hein. Ah, ma petite fille, sourds. Elle se mariera pas avec ce mec là, il est bizarre. Les vieux connards. Ça va être trop bien. Non, mais il y en a qu'un qui aura le virus. Ouais, mais ils vont tous être trop bien, ils vont tous être insupportables. C'est clair. Après, tu peux avoir un autre personnage et décider que ton personnage est quand même raciste. Hein, C'est vrai. C'est vrai. Puis bon, Jack, de toute façon, il a du mal à le cacher. Donc, ouais, c'est ça. Même en jouant RP. Hein. Ben, à la fin, alors, pour l'instant, Jack, c'était vraiment dans son personnage. C'est la mamie. Toute zen qui voile bien partout, ça va tellement faire plaisir à s'essayer, c'est parfait. C'est trop dur. Oh, déjà, entre il est gentil. Dorine, il essaie de me raffermir la peau avec ses coups de poing. Hein. Donc, est-ce que vous voulez rajouter un nouveau personnage pour... pour Debnet. Ah, du coup, je suis la mamie toute zen. Un vieux qui aime beaucoup les animaux. J'y ai pensé en plus. Bah, y en a plein. Le fanat d'animaux. Oh. Ça veut pas dire zoophile. Hein, ouais, le fanat d'animaux, ça veut pas dire qu'il est zoophile. Hein, ouais. L'ancien président de France, nature et tradition. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. L'ancien, ouais, voilà. ça me va bien aussi. Ça. J'ai mis fanat d'animaux, mais ça veut dire ça. Donc, ça, c'est pour débouder tout, hein, les gens. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Un militant chasse et pêche. Mais c'est ça. Le fanat d'animaux, après, on verra. Putain, les gens, ils ont voté que. Ah non, d'accord. En fait, le problème, c'est que tu vas rajouter un rôle particulier parce que là, il va y avoir pour Jex le vieux raciste et les gens. Mais c'est sûr, ouais, mais après, voilà, c'est la magie. Non, moi je pense qu'il faut pas rajouter le vieux raciste, il faut que quel que soit le personnage, Jex joue le vieux raciste. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Les racistes sont des gens à plusieurs facettes également, monsieur. C'est des trucs qui n'ont aucun rapport. Moi je veux pas, laissez-moi le choix. Laissez-moi être raciste. Quoi ? C'est drôle. Personne. Quelle surprise, les résultats du vote. Incroyable. C'est effectivement infirmière qui gagne. On ne l'avait pas vu venir. C'est bluffant. Bon, eh bien, c'est le fanat d'animaux. Tac. Je vous laisse réfléchir sur vos personnages hein, de votre côté, bien évidemment. Ah, quel merdier. Est-ce que vous voulez rajouter un personnage pour Jex ? Je rappelle pas le vieux raciste. Il le sort. Ouais, je fais ce que je veux quand même. Une ancienne suffragette. Mieux. Une quoi ? Une ancienne suffragette. et si j'ai envie d'être un vieux progressiste ouvert d'esprit ? Oui, c'est ça, Jacques. Ça serait trop bien que du coup, Jacques joue le racisme et que son personnage soit genre maghrébin ou turc. il s'en rend pas raciste dans le déni. Trop bien. Il n'a pas compris. Mais monsieur, vous êtes noir en fait. Ouais, mais c'est tous ces blancs, ils nous volent notre travail. Un ancien nazi. C'est chaud, un ancien nazi, les gens. Après, il y a une ancienne célébrité. Ouais. Après tout, Goebbels, c'est genre Adolf Hitler. Une personne qui n'est pas raciste parce qu'elle a un ami noir. Ouais. C'est tellement bon. Mais du coup, si tu joues... comment il s'appelle celui qui joue Marty McFly? Est-ce que du coup tu fais le combo Parkinson et... Oui. Une figure de la libération d'une communauté opprimée alors qu'il est raciste envers cette... Jean-Marie Le Pen, j'avoue que c'est... Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment un joueur de Pokémon Go, mais Jean-Marie qui n'a pas suivi. Nadine Morale, ouais. Du coup, ça sera Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est tout. On passe à 9 propositions. Il n'y a pas de... Ah, attendez, il y a un vieux punk, ça j'aime bien. Ah oui, le vieux punk à chien. Le vieux punk, ça j'aime bien. Il va devoir surveiller son chien de très près, du coup. Il va de la Maximator auprès de la gare. Donc, alors...
La 8-6 à la main. Avec une, juste une patate dans de l'alu. Elle est pas cuite. Elle est pas cuite. Non mais là, t'inquiète, je vais trouver un bras zéro ou un truc comme ça. T'inquiète, je vais trouver un bras zéro et tout ça. Hey, vous auriez pas un ticket resto? Vas-y, bouffe les glandes, toi. Hey, casse-toi de là. Oh merde. T'as pas eu que là? Hey, on n'est pas des bouffons noirs pour rien, mec. T'aurais pas 50 centimes, c'est pour m'acheter une bière éco plus. Hey, tu touches pas mon cuir, tu touches pas mon cuir. Déconne pas, quand j'étais au lycée, t'avais des mecs comme ça devant le lycée qui te demandaient genre 20 ou 50 centimes. Merde. Pour acheter une bière éco plus au Leclerc à côté. Putain. Une bière éco. Pas cher. Bon, tout le monde vole pour le vieux punk, donc ça sera un vieux punk. Je sais pas comment on joue un vieux punk. Je crois qu'on met un nouveau personnage, on oublie ce d'avant. Ouais, les berberies noires, c'est cool. Ça joue comment un vieux punk? Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, oh mon glaire. Salut à toi. Tape vieux punk, tu vas voir. T'es contre la société établie, tu vois. Anarchie. T'es l'anarchie, no future, etc. Ouais, mais en même temps, juste... t'es vieux, donc t'aimes pas les trucs modernes, tu vois. le conflit d'athées. Genre, mais sérieusement, le chat va te faire enculer. Il y avait un sauveur Ben Tupac à l'époque qui s'appelait les pistolets sexuels, tu vois. Enfin, voilà. C'est bien. Allez, le dernier, qu'est-ce que vous proposez? Benjamin Button. Les betteraves, les trucs comme ça, c'est plein de trucs à punk. Ouais. Benjamin Button. c'est pas une idée, Benjamin. Benjamin Button, ça n'a pas de sens. Mais moi j'aime bien le mec qui a zéro filtre. Ouais. Mais tu sais, c'en est même, c'est une maladie même. Ouais, c'est une maladie. C'est une vraie maladie, ça existe en plus. Tu sais, il s'en rend même pas compte. Bah, en soi, un vieux punk, ça peut être un vieux skinhead. C'est vrai. Faut qu'on trouve d'autres personnages, du coup, c'est ça? Surtout, bah, que je regarde, hein. Surtout que si c'est un vieux, les punks, au départ, c'était des skinheads. Hein, donc. Edmund Mysterio, mais vieux. Non, allez, moi je dis, on laisse les 9 parce qu'il y en a vraiment des biens dans les 9 en vrai. On est à chaque fois qu'on a. Allez, ah oui, il aime bien le pas de filtre, je vous le dis. Le chat est un ils vont pas, petit peu ils vont mettre trop... Ah non, le pas de filtre, ça va être long. Hein. De toute façon, le chat est tellement insupportable qu'ils vont mettre l'infirmière. Et ça va m'emmerder. ça va m'emmerder tellement. Je reviens. Bon, voilà, moi, voilà. Les connards qui mettent un 1, voilà, je vous déteste. En fait, le problème, c'est que j'ai voilà, ils sont j'ai tous contents, référence. Ils mettent 1, voilà, faites-moi chier, parce que je voulais absolument jouer un vieux ce soir, vous me faites chier. Voilà, et tout le monde va jouer un vieux, et moi, je pourrais pas jouer RP, et vous allez m'emmerder le fion. Bah, après, non, t'es bon. Pas obligé de faire une infirmière jeune, hein. Mais non, mais c'est l'autre qui gagne, hein. Non, mais c'est parce que allez. Zach, il prêche le faux pour avoir le vrai, en fait. Non, mais en vrai, je veux vraiment le filtre. Je disais encore tout à l'heure, je disais à Cécile, j'ai tellement envie de jouer un vieux soir. du coup, c'est parfait. Mais du coup, en fait, j'ai pas trop. T'as pas trouvé. Non, en fait, c'est vraiment, j'ai pas d'inspiration pour ça. Je veux dire, en fait, c'est tu fais le vieux skin. Imagine le punk à chien qui est auprès de la gare, qui te demande des clopes assis avec son chien. Et qui boit de la 8-6 avec une c'est patate bizarre. Chaude dans la poche. Zach, je veux pas être désagréable, mais Nick, ton personnage de... C'est pas Donjons et Dragons, mais voilà, c'est un peu quelqu'un qui a pas de filtre aussi. Hein. C'est vrai. Bah, du coup, c'est un vieux qui a pas de filtre. Non, mais je sais pas. C'est vrai que... Bah, de toute façon, c'est un peu tard, mais... Puis Vince Gallagher, il a pas tellement de filtre, alors il cache un peu des trucs, mais... Oui, mais les anarchistes, Ketaka, c'est un profond... mouvement politique. Ah, en même temps, le 8, un vieux qui pense être jeune et ne pas être en sa place, c'est pas mal aussi quand même. Mettez 8, les gens, mettez 8. Ok, donc c'est. Maxime Zach, il essaie d'influencer le chat. Grave. C'est vrai? Il y a de la corruption. Il faut relancer le chat, mettez 8, les gens. Très bien, et bien pour la peine, tu seras la voyante parapsychologue. Non! Très bien. Et Linda Mysteria? C'est vrai qu'en plus, c'est vrai, j'y ai pas pensé exactement la même chose. Alors, écoutez. Qu'est-ce que vous... Alors, maintenant, on va voter des personnages, des PNJ, d'accord? Du coup, j'ai droit à un vieux chat avec moi? Non. Donc, essayez de votre côté, les joueurs, là, vous en foutez un petit peu ce passage-là, d'accord? Vous, là, je vous demande de
créer votre fiche perso, entre guillemets. Donc, ce qu'il va falloir pour votre fiche perso, c'est simplement vous marquer donc, ce que vous êtes. Donc, je le rappelle, Cécile, tu es une mamie toute zen qui voit le bien partout. Debnet, tu es un fanat d'animaux, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui décides. Jax, tu es un vieux punk ou un vieux skinhead ou un vieux, voilà, un rebelle, d'accord. Zach, une personne sans aucun filtre social. Donc, vous me trouvez un nom, un prénom, sexe, qu'est-ce que vous... Enfin, un petit résumé de ce que vous étiez dans la vie, quoi. Enfin, genre, ben, ancien machin, tu vois. Enfin, voilà. Et votre point fort et votre point faible. Je précise que ben, ça doit être décalé, hein. Vous mettez pas... Enfin, voilà. Le but, c'est que ça soit drôle. Voilà. Pendant ce temps-là, les gens, vous me dites des PNJ qu'on ajoute. Donc, ça peut être d'autres vieux ou des infirmières, des membres du staff, des trucs comme ça, hein, d'accord. Vous voulez qu'on rajoute quoi, notre fille? Il ouvre sa métisse, Jax. Il m'énerve. Il a fond dans le personnage. T'as dit quoi? Vous voulez qu'on rajoute quoi à notre feuille de perso? Bah, ce que j'ai dit. Ah oui, bah, où est-ce qu'on était, quoi? Tes points forts, tes points faibles aussi, n'oublie pas. Ah, c'est ça que j'ai pas entendu. Combien de points forts, combien de points faibles? C'est un point fort, le racisme? Je note les idées, hein, les gens. Ouais, je vois, après, ça dépend comment on peut le voir, hein, je suis désolé, mais voilà. Bah, après... Maxime, est-ce que je peux te dire un truc en MP sur mon personnage? Attends deux secondes. C'est pas grave si le live l'entend. C'est toi qui choisis. Je te l'écris sur Facebook? Ouais. Ça marche ou pas? Ok, d'accord. Excuse-moi, je suis en train de regarder le chat pour l'instant. Je le note, je précise. T'inquiète, je te l'écris après. On a un nombre limité de points forts ou pas, et de points faibles? Genre 2, 3. Attendez. Bah non, tu peux mettre un point fort, un point faible, c'est tout. Ouais, ah, un point fort, un point faible. J'ai déjà noté 2 en points forts. Bah forcément, t'as un putain de cheater. Y'a pas de cheat engine dans les jeux de rôle, là. J'ai fait le fiche de perso avec le cheat engine. Oh, je me suis mis 4 points de talent, ouais. J'ai que les points forts. C'est bon, on te l'envoie par Messenger? Non, mais je vais vous le demander là. Ah, d'accord. Moi, je t'ai juste envoyé un truc par Messenger parce qu'il faut pas que... Excuse-moi, je le regarde tout de suite. T'inquiète, c'est pas pressé. Maxime, je voulais te dire que je déteste les lives JDR. Je n'aime pas que tu me forces à faire ça, c'est honteux. Et de plus, qu'est-ce que tu ferais si ton chat devenait un monstre de 4 mètres de haut, mais de 6 mètres de large? C'est compliqué. J'aime bien le « mais 6 mètres de large ». Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ce truc. C'est validé. On valide. Ka-ching ! Je sais pas pourquoi. Alors attendez, hein, j'arrête. Vous inquiétez pas pour les idées, on va les voter, je prendrai simplement ceux qui ont le plus de votes. Mais du coup, ne font pas qu'on voit les PNJ. Non, non. Ah bah, c'est bien de le dire. Alors non, je disais pas. J'aime beaucoup ce que vous proposez, genre. Ça fait un peu penser à la construction des univers pour Oxide, en fait. Ouais, mais c'est un peu ça. Hein. C'est, ouais. Je me suis dit... En fait, j'avais eu l'idée de faire ce type de live-là la semaine dernière. Et la semaine dernière, j'étais mort.
Donc je trouve ça pas mal de tenter des petits trucs comme ça. C'est rigolo, ça fait participer le chat. Puis je pense que ça sera... Ouais, c'est pas extrêmement long, mais c'est fun. Qu'elles disent toutes. Oh bah bravo, quoi, Cécile. C'est comment, bon. Comment ça, en plus? Au moins, c'est fun. Même si c'est pas long. Va, mais hein. Oui, mais comment ça? Allez, on fait un premier passage de vote, les gens. Ne regardez pas les autres. Promis. Les salauds. Les joueurs. Les fils de... Les joueurs. Alors donc, un golem de terre... Un golem de terre. Ça a rien à foutre dans cet univers. Dracula vieux. Ah, Dracula vieux, ça peut être rigolo. J'étais un putain de monstre quand j'étais jeune. Un zombie qui se fait passer pour un vieux. Moi, j'aimerais bien. Boulum, boulum, boulum. Oui, j'ai la panthère rose dans la tête. Bah, je sais pas, mais maintenant on l'a tous dans la tête. La 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 partie. La 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 partie. Daddy DJ na 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 la 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 partie. Putain, j'ai vraiment en deux secondes à revenir, quoi, c'est fou. Enquête troublante! L'autre fois, j'ai relancé l'épisode sérieusement pour écouter un truc et ça a fait le. Et j'ai éclaté de rire parce que, en fait, j'ai compris qu'on n'était pas parti de rien. Enfin, dans ma tête, on l'avait inventé ce rythme, alors que pas du tout. C'est vraiment parce que j'ai entendu un milliard de fois ce truc-là en montage que j'ai fait. Tout en passant, l'épisode 2. Risque de faire une heure, hein. Donc voilà. Ah. Je suis en train de le monter et mais c'est cool. Je regarderai pas, c'est trop long. Quel putain d'envie. Alors, attendez, je regarde. Du coup, je note un petit peu ce qu'il y a. Donc, c'était sûr que ça allait être ça, le numéro 1. Yeah. Ça va, vous? À tes souhaits. Ah. Non, il était sale, celui-là, quand même. Ah, mais attends, il y a Wanky qui fait un live star, Star Citizen. Je vais essayer de faire le JDR en même temps que je regarde. Oh mon dieu. Wanky? Oui. C'est des sous-youtubeurs, mais bon. Ah, d'accord, je connaissais pas. Non, c'est juste l'un qui était raciste. Des sous-youtubeurs. Ouais, pas très connu. D'accord. C'est trop bien parce que Denet est en mode ok. Si vous le dites, oui, d'accord, j'accepte avec plaisir. En fait, c'est un PNJ. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Je note. Tout à fait, bravo. Vous pensez donc que je note? Bonne journée. Bien sûr. Bien sûr. Un chien? Pardon. Du travail, encore du travail. Ok, genre, j'ai quasiment tout noté. En gros, ça a juste éliminé quelques petits trucs. Hein. Ils ne sont pas marins, ils ne peuvent pas comprendre. C'est notre sailor! They don't know! Je tiens à dire que cette phrase sera au moins dans un projet que je vais faire. Je vais me battre pour qu'elle y soit. Là, tu vois, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose de bien. C'est vrai. Those sailors, they don't know. Un mec qui vit dans un monde imaginaire plein de dragons et de monstres pour lui. Alors, The Corbeau Blanc, c'était il y a 5 heures qu'il fallait proposer ça. Il y a un petit décalage. Alors, attendez. Le prochain concours commence bien le 18 décembre jusqu'au 18 janvier. Sur les 3 dernières années de la chaîne, en flippant, mais on aura plus d'infos le 18 décembre. C'est maintenu. Oui, et j'ai dit 2 dernières années de la chaîne. Donc 2018, 2017 et 2016. Ça fait 3 années, mais c'est 2 années. C'est bizarre les maths, hein, mais en vrai, c'est ça. Comme quand on vous dit dans 2 jours, techniquement, c'est dans 3 jours. S'il y a aujourd'hui, demain et après-demain.
Attendez, qui Attends, mais 2 égale 3. I don't understand. I don't know. Je... Attendez, je sais pas. I don't understand. C'est un understand. Je sais plus, peu importe, les gens comprendront. Ouais, non, tu mets la mauvaise réplique. Les gens, il y a Rodar qui a essayé de faire. Enfin, qui a pas essayé, qui l'a carrément fait, qui a fait un modèle de corniboule. Cornicube, pardon. Je vois ça. Il y a un sur Twitter, je viens de le. Trop bien. En vrai, il est trop bien. Balance c'est sur Twitter. C'est sur Twitter. Je l'ai retweeté. Je l'ai retweeté. Twitter. J'ai passé une heure sur Epidemic Sound pour trouver en vain la musique d'intro des Night Owl. Ashranalas, je ne sais pas c'est quoi le titre. Et il l'a fait avec quoi? Il l'a dit avec Blender. Ah putain, c'est classe! Le mec, c'est pas lire en fait. Non, mais c'est parce que je me suis con. Non, il sait pas lire. Il sait pas lire. Bon, d'accord. Trop bien. Ouais, supportable. Pourquoi il y a un drapeau américain? Parti. America! Bro, fuck yeah. Yeah! Coming to save the motherfucking day, yeah! C'est dans notre stand, respecte la qualité du jeu, du peu de dialogue retenu de Call of Duty, j'avoue. Est-ce qu'on fait une seconde fournée? Non, on est déjà bien, les gens. Donc, les personnages, s'il vous plaît. Donc, CC Trouille, je retiens ce que tu m'as dit, d'accord? C'est dans ton background, mais on va pas le dire. C'est privé, du coup? C'est privé. Je vais encore nous piner la gueule. Non. D'accord, c'est une traite, super. Allez, hop. C'est de me piner la gueule à moi que... Vous savez, fallait écrire un BG. Mon personnage s'appelle Arlette. Ah, il faut un nom de famille ou pas? On s'en fout. Attends, deux secondes. On hop, pas je le note. Hein, donc. Cécile, c'est Arlette. Comme Arlette oui. Laguier. Il n'y a pas de H, hein, c'est un A. C'est un A, ouais. Ouais, très bien. Donc, c'est une ancienne commerciale qui faisait surtout de la vente à domicile. C'est point fort. Non, c'est un point fort ou... Un point fort, un point faible. Et un point faible. Ah. Son point fort. Attendez, c'est t'as juste à dire que j'ai mis PF et après j'ai mis. Merde. Genre PF. Bon, son en point anglais. Fort, c'est qu'elle est plutôt habile parce que voilà, ça fait des années qu'elle fait du tricot et elle a fait beaucoup de pâtisseries, elle faisait beaucoup de gâteaux et trucs comme plutôt ça. Plutôt habile, donc... je mets entre une parenthèse pour une vieille. Hein. Ouais. Oui. Bah, évidemment quoi, mais. Ah bah après, c'est déjà ça. Hein. Et son point faible, c'est qu'elle aime bien les gens et qu'elle a envie de leur faire plaisir, et du coup... Elle est corruptible. Ouais. Aime beaucoup les gens. Ouais. Et leur faire plaisir. Oh. Oh, c'est ça. Elle a plus de temps, ça marche bien. Je suis plutôt habile de mes doigts. Je voyais plutôt la grand-mère qui va rester debout pour te faire des gâteaux, moi. Ça fait longtemps que je n'ai plus dedans. Attends, quoi ? La grand-mère qui se met à genoux pour faire des gâteries, quoi ? Des gâteries ? Sachant qu'elle peut enlever son dentier. Arrête pas, mon petit ! C'est horrible. Je vais t'en faire voir comme en 40 ! Vous êtes horrible, mais si ça vous fait plaisir. Bon, Luc, mes gencives. C'est pour mon petit-fils que je fais ça. Que ça, ton petit-fils ? J'ai plus de... De relent. Oh. Ah, du coup, Devnet, comment s'appelle-t-il? Mon personnage s'appelle Arthur Maxon. C'est l'ancien président de l'amicale des chasseurs-pêcheurs. Ancien président de l'amicale des chasseurs-pêcheurs. Pêcheurs, du Vaucluse, si tu veux, peu importe. Du Vaucluse. Très bien. Et mon point fort, c'est que... Attends, force... deux secondes. Vas-y. C'est juste que... C'est bon. Ah, merde, attends. Allez, point fort, vas-y. Mon point fort, c'est qu'à force d'avoir attendu comme un con dans les pieds dans la flotte et avec des algues sur la tête, je sais très bien me faire discret et me cacher. Discret, entre parenthèses, pour un vieux. C'est un peu tout le monde va avoir pour un vieux. Je veux dire qu'on est tous vieux. Oui, c'est vrai. Sauf... Et mon point faible, c'est que j'ai eu l'autorisation par le directeur de l'hospice de garder mon chien, mais qui est aussi vieux que moi avec moi. Et que j'ai donc un faible pour les animaux non comestibles. Le punk, il n'a pas le droit d'avoir un chien, lui. Il a un faible pour les animaux non comestibles. Non comestibles.
Ah oui, je suis un chasseur Tous les pêcheur. animaux sont comestibles, hein. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je mets des gros guillemets. Ah bah, Avec si, un genre, peu les de volonté, requins. les requins sont pas comestibles, c'est ça que tu es en train de dire? Les requins... Non, il y a un requin en Islande qu'il faut enterrer 3 mois pour qu'il perde ses toxines, parce que sinon, si tu le bouffes, tu meurs. Mais... Ah oui, c'est cool ça. Ouais. Ça il faut fait le trop genre, quel est le mec? Il y a des centaines de gens qui sont morts pour qu'on sache que c'était 3 mois. Tu vois Attends, ce que je veux dire? en plus le requin en question, il est fourré avec différents types d'oiseaux, de locaux. Ah, c'est ça! Mais j'en avais entendu parler. Ils le mettent sous une pierre pendant 3 mois pour que le machin il faisande et il le sort 3 mois. C'est dégueulasse. Après, Et si c'est le pas bouffe islandais, avec un c'est ketchup du de Brindisi. Groenland. Bon, il est déjà tard. Allez, Sexo, dis-nous. Alors, mon personnage s'appelle Henri. Henri Vano. Henri Vano. C'est un vieux punk. D'accord. Il faisait quoi avant? Il était punk, c'est tout? Il est à la rue. Et comment il s'est retrouvé en maison de retraite? C'est la mairie, on avait marre qu'il traîne près de la gare. Ils lui ont offert. C'est la SNCF qui lui a offert. Excellent. T'es un ancien paysan. Mais comment tu fais pour être paysan et punk après, ça n'a aucun sens? Bah si, tu Ça connais n'est absolument pas logique. Alors écoutez, bah, moi c'est un paladin. Avant, Avant je bah, fais mage, il le était. quatrième degré. Voilà, avant il priait Satan. Ouais, tu peux être un paysan punk, hein. Ah ben, si tu veux, hein. Ouais, dans le tracteur. No future! Et il a participé aux manifs, justement, des tracteurs qui bloquaient l'autoroute. Merde, c'était lui. Non, il était zadiste. Quel est ton point fort? Il trouve de la monnaie facilement. Trouve Moi, vieux. De la... Et les tickets restaurants, ça marche? Pour un vieux, c'est genre là contre de la monnaie. C'est quoi son point faible? Il T'es n'arrive pas à invincible. respecter. Pour un vieux. Ah, dis-nous. N'arrive pas à respecter les règles. Ah oui, non-respect de l'autorité. Non-respect de l'autorité. Très bien. Pour un vieux. Zach? Oui. Oui, c'est son Je prénom. Sors du plex. Pas de souci. Alors, moi, du coup. Moi, du coup, c'est bizarre. Alors, moi, du coup, il s'appelle le père Dan... C'est le père Daniel. Le père... C'est le père Daniel, tu le respectes. Qu'est-ce qu'il était? Il est. Alors, il était. Justement, c'était le pasteur de l'église de la ville voisine. Ancien pasteur de la ville voisine. Trop bien. Son plus. Son plus. Alors, casser les couilles. Merde. Casser les couilles pour un vieux, c'est trop bien. Ah oui. Et le point faible, c'est l'alcool me rend aimable. Très bien. J'aime beaucoup. L'alcool ou tous les. Genre les petits cachetons et tout ça ou... L'alcool. Il est dit l'alcool. Donc je rappelle que nous avons Cécile, qui est une mamie toute zen qui vole bien partout, qui s'appelle Arlette, qui est une ancienne commerciale qui faisait de la vente à domicile. Son point fort est qu'elle est plutôt habile pour une vieille, et son point négatif, c'est qu'elle aime beaucoup les gens et leur faire plaisir. Devnet, c'est un fanat d'animaux. Convaincu, quoi. Arthur Maxon, hein, qui s'appelle, ancien président de l'amicale des chasseurs-pêcheurs du Vaucluse. Son point fort, c'est qu'il est discret pour un vieux et il a un faible pour les animaux non comestibles. Jack, c'est un vieux punk. Il s'appelle Henri Vano. Il est un ancien paysan. Son point fort, c'est qu'il trouve de la monnaie facilement et son point faible, c'est son non-respect de l'autorité. Zach est une personne sans aucun filtre social. Il s'appelle le père Daniel. C'est l'ancien pasteur de la ville voisine. Son point fort, c'est casser les couilles. Son point faible, c'est l'alcool le rend aimable. Ouais, je peux juste. Arthur, c'est ton. C'est comme ça que ça s'appelle, Damnette, ton Ouais, je m'appelle Arthur. Ouais. Ok, et Cistrouille, c'est quoi? Arlette. Ah, là, c'est bon, je le note comme ça. Bon. Non, après, je vais pas De toute savoir façon, comment si vous t'oublies, c'est pas grave, c'est une caractère. Hein. J'avoue. C'est vrai que j'ai oublié les prénoms aussi, moi. Pff. Donc. Les pré quoi? Et pré qui? Donc. Vous vous réveillez. Dans votre non. maison de retraite. Ça va commencer là. C'est le matin. Il est 5h30. Comme tous les vieux, vous vous réveillez à 5h30.
Et vous vous réveillez avec une idée fixe. Ce soir, enfin avant ce soir, très mort. Vous voulez mourir. Et vous êtes tous les quatre dans le même fin de couloir, en fait. Hein, d'accord ? Donc vous n'avez pas des chambres communes, mais presque, vous vous connaissez très bien. Ou en tout cas un petit peu. Pour des vieux, quoi. le fameux, tu sais, les vieux, ils connaissent tout le monde, mais en fait, non. Genre, bah, c'est ça. Et donc, du coup, vous êtes réveillé et là arrive donc l'infirmier, le fameux infirmier qui est là, qui s'occupe de vous dans votre maison de retraite, qui, je le rappelle, est aux alentours de Genève. Et donc, il arrive hein, avec son petit costume blanc, comment ça s'appelle ? Ses petits cheveux en moins sur la tête. voilà, il arrive là, partie. Bonjour, allez, on se réveille. Allez, Arlette, allez, Arthur, bon, Henri, Père Daniel. Allez. Donc, c'est Eric, l'infirmier. Hein. Eric Da Silva. Vous l'appelez, vous pouvez l'appeler soit Eric, soit Monsieur Da Silva. C'est possible. Allez. Mon petit. Écoute, tête de bite, j'ai envie de dormir. Je fais ce que je veux, enculé. Père Daniel, écoutez, il faut vous réveiller là, hein, d'accord ? Alors. Écoute, t'as quand même une tête d'anus, j'ai pas envie de l'avoir. En plus, un anus de poulpe, c'est quand même assez dégueulasse, hein, faut le dire. D'accord, tout va bien. On pourrait peut-être lui donner son petit remède au père Daniel. Là, il est 5h30. C'est une très bonne heure. Moi, j'étais réveillé depuis le début, je m'apprêtais à partir. Non, mais moi, je fais ce que je veux de toute façon. Je me lève, mais c'est parce que je le veux. Non, alors, attendez. Monsieur Maxson, le marais, c'est non, hein, d'accord ? Non, mais attendez, je vais juste récupérer mon... Non, restez assis, s'il vous plaît, il va falloir juste attendre. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, on vous a déjà prévenu, il y a TF1 qui vient faire un reportage, donc il va falloir se tenir un petit peu sérieux, d'accord ? Je suis pas un vendu, moi, ok ? Encore un truc de BFM TV de mec, couille, là, hein ? Bah, moi, je me lève et puis je vais à la salle de bain pour me préparer. D'accord, est-ce que vous voulez de l'aide, Arlette ? Vas-y, Arlette, est-ce que vous avez fait sur vous balai à chaud dans le cul ? Non, mais je voudrais bien mon déambulateur. D'accord, alors il t'amène ton déambulateur. C'est bien gentil. C'est quand le petit déj ? Mais le petit déj, c'est là, justement, je vous y amène, d'accord ? Vous devez, s'il vous plaît ? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? Mais parce que c'est tous les jours ça, monsieur Vano. Tous les jours, ça fait deux ans. Ça fait deux ans que tous les jours, c'est ça. Il est samedi. Mais Eric, vous savez bien, déjeuner, je vais aller le chercher si vous voulez. On n'est pas samedi. On est jeudi. C'est pas grave, laissez-moi mon fusil. Mais non, monsieur Maxson. Monsieur Maxson. Monsieur Maxson, non, attendez. Il te saisit, il te rassit. Il te rassit sur le fait. Attendez, monsieur Maxson, vous êtes tout nu. Habillez-vous. S'il vous plaît. C'est vrai. Madame Arlette n'a pas forcément votre peau. Il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Écoutez, là. Pour le moment, ce qui m'importe, c'est que vous vous habillez tous les quatre, d'accord ? Alors, Arlette, c'est très bien. Le Seigneur, il en a rien à foutre. Pardon ? Qu'on soit à poil ou pas, il en a rien à foutre, le Seigneur. Nous, on s'est battu, ok ? On s'est battu pour avoir des droits et pour être libre de faire ce qu'on veut. Non, alors, vous êtes battu. Je suis dans la salle de bain, je me lave les dents, je m'habille. Très bien. Donc, toi, t'es sage. Bon, regarde, faites comme Arlette. Elle est parfaite. Elle est en plus plutôt habile et elle aime beaucoup les gens. Ouais, c'est ça, c'est plus la sperme. Tu crois que j'ai que ça à foutre, moi ? Non, mais monsieur. Attends, tu vas sperme. Non, non, non. Où est-ce que vous avez lu ça ? Vous avez encore regardé le 12-25. De quoi ? Tu me traites de cotorep ? Mais non. Écoute, moi j'ai. L'ancien pasteur, je le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain, dans la chambre ? Qu'est-ce qu'on voit ? Dans la salle de bain, il y a vraiment le strict minimum. Genre, brosse à dents. Genre, j'ai quand même ma brosse à dents. Savonnette. Ouais, il y a ça. Okay. Ouais, tu peux te brosser les chicots. Je me lève et je vais vers la cafette en ruminant. Attendez, monsieur Vano, on part tous ensemble, hein, d'accord ? Je suis grand, ok ? Je fais ce que je veux, j'ai pas besoin d'une babysitter. Vous êtes grand, mais peut-être un peu trop. Hein. Mais mon dentier, après l'avoir brossé. Monsieur Da Silva, il est où mon treillis ? Alors, monsieur Maxson, on en a déjà parlé plusieurs fois, votre treillis, votre tout ça, d'accord ? C'est avant, ça c'était avant, maintenant on est maintenant. Maintenant, on fait plus tout ça, d'accord ? Vous êtes vieux, et maintenant il faut se reposer. Mais ne me traite pas de vieux, petit con, tu sais bien que je vois une mouche à 100 mètres. Moi, je commence à avancer vers la cafette. Hein. D'accord, du coup, il a du mal à gérer, etc. Donc il te laisse passer là pour l'instant sans trop de problèmes. Bon, monsieur Da Silva, parlons entre hommes. Oui. Il est jeudi matin. Oui. On est en pleine saison de la chasse.
Je pense que c'est le bon moment. Alors, apportez-moi mes affaires, s'il vous plaît. Mais à la rigueur, venez avec moi, je suis sûr que j'ai des trucs à vous apprendre. Monsieur Maxon, avant d'aller chasser, il faut avoir un bon petit déjeuner dans le ventre, quand même. Oui, mais le petit déjeuner, on peut le manger sur place. C'est la bonne heure pour sortir dehors. C'est l'heure où les animaux s'attendent le moins à ce qu'on leur canarde la gueule. Bon. Moi, je cherche ma Bible. Où est-ce qu'elle est? C'est une putain de bordel de merde. Eric Oui, où est ma putain de Bible à la con, là? Mais votre Bible, elle est juste là, regardez. Il ouvre le placard et tout. Elle est là, le tiroir, pardon. Elle est là, ça, c'est votre Bible. Oh, mais... Tous les jours, vous me demandez. Oh, j'ai eu si peur. J'ai failli me pisser dessus, putain. Pas failli, mais oui. Donc, écoutez, vous êtes tous là. Allez, on y va, s'il vous plaît. Donc là, vous passez dans les couloirs. J'ai mis mon dentier et je garde ma brosse à dents sur moi parce que on sait je compte vachement dans les dents. Est-ce que vous avez un peu de monnaie pour le café, s'il vous plaît? Mais... Ou monsieur... pas de café pour les... Monsieur Vano, il n'y a pas de... La machine à café, c'est pour les employés. Bah, apportez-moi un peu de, vin. Mais quoi? Mais vous n'aurez pas de vin avant ce midi, monsieur Vano. Mais écoute, il veut boire une 8-6, ce connard. Laisse-le boire une 8-6, c'est un putain de chien de merde, mais là. Ça n'est pas des... On est qui pour juger aux yeux du Seigneur? Alors, écoutez, vous avez... Mais c'est mon sang qui disait Lot. Mais putain... Bah c'est vrai, il a raison, lui. La 8-6 n'est pas du vin. La villageoise, oui, mais pas la 8-6, monsieur... Monsieur Daniel. La villageoise, c'est l'autre, là. Le punk, c'est Jax. Bref, je réponds au chat. Du coup, il vous amène, donc vous arrivez dans un vraiment le truc, les couleurs mornes, etc. Et donc, il y a d'autres vieux. Donc, vous voyez notamment une vieille sur une table et puis un autre vieux sur le côté, etc. Et il y en a un qui a l'air de s'occuper près d'une fenêtre un peu bizarre. Mais voilà, sinon, il vous amène à la table et puis il fait « Bon, je reviens tout à l'heure, donc vous occupez de manger et tout ça. » C'est ça, va construire ton mur. Oui. Quoi? Rien. D'accord. Vous voulez construire un mur, monsieur, monsieur le punk. Monsieur le punk. Monsieur le punk. Je suis sûr qu'ils se parleraient comme ça, les vieux. Tu vois ce que je veux dire? Il est où son chien, d'ailleurs, à ce punk, là? Oui, il est parti il y a longtemps. Il n'a pas de chien. Il est parti. Monsieur, c'est un chien. Alors là, la petite vieille, elle arrive, elle vient près de vous, elle fait « Ah !» Ça va. Oh bah ça va très bien. Arlette, hein, tenez, pour votre petit déjeuner. Hein. Et là, elle te tend une petite boîte, tu sais, des petites boîtes en métal plate de comment ça s'appelle, de cachou. Et du coup, elle fait ah, ça fera passer le café là. Et nous alors, on a rien? Oh, mais si, tenez. Hein. Elle vous tend une petite boîte en métal comme ça, vous savez, de biscuits secs. Tenez, oui. Ça fera... Ça, c'est toujours bien, le bon matin, comme je dis toujours. Je reviens, n'hésitez pas, à tout à l'heure. Moi, du coup, au passage, je la remercie. Je la remercie pour la nuit dernière. Eh, c'était pas mal hier soir. Du coup... C'est horrible. Que faites-vous? On vous regardez quoi là au petit déjeuner? Alors, le petit déjeuner, c'est vraiment genre du pain, mais tu sais, du pain de supermarché, de la confiture genre à l'orange. On a des... C'est servi dans des verres... Il y a des verres en verre pour le jus d'orange et tout. Non, c'est du... Enfin, ça, c'est du Pyrex. Il y a du café avec un peu de bière. Café avec un peu de bière. Non, il n'y a pas de café, il n'y a pas de bière. Est-ce qu'on a des couteaux à beurre pour beurrer? C'est du couteau en plastique à beurre, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est plus des raclettes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu cherches déjà de tailler les veines comme t'es là, Arlette. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Tu n'as pas entendu dire ça, enfin. C'est vraiment n'importe quoi, j'ai besoin de rentrer. Une game. Est-ce qu'il y a des couteaux à beurre? Est-ce qu'il y a des verres en verre, hein? C'est important, hein. Moi, j'aimerais bien aller voir le mec qui regarde par la fenêtre. D'accord. Comme ça, vous regardez ou pas le contenu des boîtes qu'elle vous a donné ou pas? Oui. Ah ouais. Je secoue d'abord ma petite boîte de cachou. Ça fait... Il y a quelque chose dedans, clairement. L'anthrax, peut-être. La On va peut-être pouvoir s'étouffer de ces merdes. Donc, dedans, c'est des tas de pilules. Genre, vraiment,
plein de pilules. Chelou. C'est pas des crèches ou quoi. Pour plus tard. Je crois qu'elle s'est gourée encore, la Micheline. Ou peut-être qu'elle est au courant qu'on veut tous se passer l'arme à gauche. Est-ce que ces pilules nous disent quelque chose? Bah, c'est... pour vous, c'est des pilules. Et toi, arrête, ça te dit quelque chose. Ah. C'est bien intéressant. Bah, j'en prends une bonne poignée et je la mets dans ma poche pour plus tard. D'accord, tu peux garder la petite boîte au pire. Garde la petite boîte aussi. Mais d'accord. Elle est petite, comment... Arlette, mais séparée du coup. Arlette, partage quand même, merde. Partage. Bah, il y en a plein là, c'est au milieu. Et vous avez votre boîte, hein, vous. Oui, on a tous notre boîte. Ah, on a tous, c'est une énorme boîte, hein, pour vous. Et t'es censé voir des aigles à plus d'un kilomètre. Je croyais qu'on nous donnait des gâteaux, moi. Où sont mes gâteaux? Putain d'enculé de sa race, Bulba, là. Bah, je range ma boîte dans un sac si j'en ai un. T'as pas de sac. Non, mais... vous avez une grosse boîte et moi j'ai une petite boîte, en fait. Ouais. T'as une boîte personnelle et eux, ils ont une boîte pour trois. Ah, d'accord. Donc, vous allez voir le mec à la fenêtre, c'est ça? Qui est en train de faire un truc. Il fait quoi? Bah, faut l'approcher. On approche discrètement, comme des vieux. Et vous approchez et il se retourne et il fait... Comme ça, on va... Vas-y, Arthur, où est mon fusil? Où est mon fusil? Et là, vous voyez que derrière la fenêtre, il y a un canard qui met sa patte, enfin son aile, genre contre la vitre, et qui vous regarde, genre en mode. Comme ça, comme s'il essayait de s'exprimer avec vous. Personnel, je reproduis les gestes du canard. C'est pas d'accord. Ce qu'il a fait, mais je reproduis les gestes vers le canard. Du coup, parce que tu sens... peut-être qu'il a envie de communiquer. Tu sens, pendant l'espace d'un instant, que ce canard est, comme toi, un vieux. Peut-être. Oh, un vieux canard. Peut-être. Non, ça canard, là. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Et le vieux, là, il a son pantalon à moitié baissé et tout, et il commence à chier par terre. Il glisse dans sa merde, il se tombe, vous entendez un petit quel déchet comme ça. Là, il y a Eric qui arrive, fait, mais putain, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Que ce monsieur est un canard et que ce canard est un monsieur. Moi, je commence à pisser sur Eric. Fais mon frog et je pisse sur Eric. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites là? J'essaie, mais c'est qu'à de... J'essaie de lui faire les poches discrètement au vieux qui est parti. Tiens, du con, ça t'apprendra. Alors, ok. C'est ça la pisse, hein. Tu sais que tu trouves un papier, une sorte de plan gribouillé qui t'indique un chemin caché dans la maison de retraite. D'accord, tu l'as, hein, toi. Donc, tu disais quoi, Zach? Excuse-moi. Je dis, tiens, bois ça, mon gars, ça vient du Seigneur. Mais arrêtez, monsieur. Ah, oh, non, mais monsieur Maxson. Maxson, c'est moi. Monsieur Daniel, père Daniel. Tu veux pas voir la bouche que je te chie dedans? Non, mais est-ce que je peux profiter de ce bordel qui est focus sur Daniel pour enrober ma main dans une espèce de linge ou n'importe quoi et taper dans la vide pour choper le canard parce que... Oui, tu peux le faire. Et je vais me faire mal. Alors... C'est pas grave, c'est pas attends, grave. Tu peux pas juste ouvrir la fenêtre. J'estime que t'as 1% de chance de réussir. Non. Non, t'as 1 sur 10. Pourquoi tu pètes la fenêtre? Pourquoi tu peux pas l'ouvrir? C'est des vieux. Non. C'est con. Donc... Oh putain! Ça fait juste mal. Mais tu t'es pas pété à ma main. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais calmez-vous, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais amenez-moi mon fusil, vous voyez pas qu'il y a de la volaille derrière la fenêtre? Mais de la volaille, de quoi tu parles? Je pense que monsieur Maxon devrait prendre un petit cachet, il a l'air un petit peu énervé. Mais monsieur. Écoutez, alors attendez. Attendez, laissez moi vous aider, je vais prendre mes amis, on va sortir et vous laisser travailler tranquillement. D'accord, allez-y, hein. Là, il y en a marre. Donc là, vous voyez Eric qui commence à mettre ses mains dans la merde, à touiller, etc. Il est obligé de laver la tombe et les couilles du vieux. Question au MJ. Oui. Est-ce que je me dis que si j'avale une bonne grosse poignée de ces cachets, ça pourrait me... Non, mais ça va te faire partir, par contre. Ça va te faire partir. Quand on est en dehors de la pièce, je leur fais, regardez ce que j'ai trouvé sur l'autre déchet par terre, là, plein de merde. Et là, j'ouvre le papier et je leur montre. Donc vous voyez... Clairement, un plan qui amène vers un endroit
Un plan qui amène vers un endroit caché de la maison de retraite avec une croix, etc. Une sorte de passage secret. Oh, une carte au trésor! Oh, c'est un message du Seigneur, cet enculé de bâtard, il nous a encore envoyé un message. Ah, peut-être ça nous mènera à... Hé, les mecs! Je peux venir avec vous? Et là, vous retournez, il y a juste Claude à poil. Donc, Claude, vieux, cheveux genre de cornice. La mère! Hé, les mecs! Alors, Arlette, t'aimes bien ce que tu vois? Oh, Claude, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu deviens, vieux fripon? Oh, il fait un peu frais, tu vois. Oui, c'est normal, t'as encore oublié ton slip, t'es con. J'ai pas de slip. C'est pour les cons, les slips. Je suis d'accord, mais c'est Eric, il a pas voulu me laisser partir sans mon slip aussi. Parce que là, c'est qu'il y a Eric. Et c'est tout. Genre, il y a un infirmier pour tout le spice. Bah, c'est comme dans la vraie vie, non? Ah, c'est ça. Pour ça qu'il a payé. Ce plan, alors, il a l'air de mener où on le... Tu lui as pas répondu à ce bâtard, là. J'en sais rien, t'aimes bien ce que tu vois. Mais ça me fait très plaisir de te voir, Claude. En revanche, ça me ferait encore plus plaisir de te voir si tu t'habilles et tu vas prendre froid. Oh. Hey, Edith, c'est toi, là, qui est médecin, là. Elle s'appelle pas Edith, hein. t'es con, Claude, ça, ou bien Daniel, Monsieur Daniel, il peut bien m'appeler comme il veut. Père Daniel, ça. Là, c'est normal. Oh, je suis quand même un mec de Dieu, là. Hein. C'est normal, tu vas me parler par... Tu vas m'appeler Père Daniel. Attends, Père Daniel, c'est normal, ça. Et il te montre sa teub et il y a une espèce d'inflammation chelou. Il a vraiment un truc qui va pas bien. Mais c'est normal. Est-ce que tu tires bien et tu masturbines bien comme il faut? Je vais appeler Eric. Le monsieur, il est malade. D'accord. Donc là, il y a Eric qui arrive. Il y a de la merde partout. Il y a même un peu de sang. Tu sais pas trop d'où il vient et tout. Il fait Qu'est-ce qu'il y a, Arlette? Oui, il est malade, Claude. Voilà. Oh, il essaye de faire soigner par le père Daniel. Claude, c'est pas une non, bonne idée. Claude, non, mais père Daniel, lâchez ça. Regardez, c'est bizarre, non? Non, lâchez. Allez vous laver les mains. Lavez-vous tous les mains. Du coup, je mets la main sur l'épaule, je fais d'accord, on va y aller. Non. Du coup, il part avec Claude. Oui. Oh merde, Claude. Non, rien. Donc, vous avez toujours le plan et vous voyez où ça mène. D'accord, et ben. On y aller. Très bien. Donc, vous arrivez et là, il y a une porte qui ouvre effectivement un sas et en entrant dedans. Il y a un vieux que vous avez jamais vu, qui est assis devant la porte où vous devez aller, justement. Monsieur ? Ou madame ? Je croyais que c'est le gardien de la porte, j'ai dit un vieux. Oh, c'est le père Fouras, comme à la télé. Alors ? Il va nous poser une énigme, attendez. Il est venu avec BFM, ça se trouve. Non, il est de notre côté, je crois. Bah, il va nous refiler des clés à la con, et il va les balancer par la fenêtre. On va le laisser parler, d'abord. Alors, que voulez-vous passer, c'est cela? Oui, père Fouras, il nous faut la clé du sous-sol. Très bien. J'ai pas envie de le fourrer, moi, le père Fouras. J'ai quelque chose dans ma poche, mais ma poche est vide. Qu'est-ce que c'est? Une poche. Votre tub. Non. Pas ta main. Une clé pour ouvrir la porte. Mais non, il a dit qu'elle était vide. J'ai quelque chose dans ma poche, mais ma poche est vide. Qu'est-ce que c'est? De l'air. Non. Des poils pubiens. Votre poche. Non. Vas-y, c'est vrai, il y a de l'air dans votre poche, mais du coup, écoute, c'est vide. Écoute, c'était un trou. Suivante. On doit tourner, en plus. On fait une tournante. Je suis partout, mais on ne peut jamais m'atteindre. Qui suis-je? L'horizon. La clé de la porte. Oh, vous pouvez passer, machin. Qui c'est, à moi seulement? Et mes amis, oui. Alors? Non. T'as plus dans la nuque quand t'es derrière lui. Attention. Mon premier est un animal de la ferme. Mon second est une saison. Mon troisième est un animal de la forêt. Mon tout est une fête. Qui suis-je? On peut aller chasser les animaux de la fable. Le carnaval. C'est quoi la saison, du coup? Le car. Le car. Le nard et le mal.
narval, le narval, le canard, le narval, le canarval. Mon premier est un animal de la ferme. Mon second est une saison. Mon troisième est un animal de la forêt. Le Laurent Mouton. Tout est une fête. Anniversaire. Vous avez tapé ça sur Google. C'est quoi Google? Ça, c'est de la triche, madame. Moi, j'ai regardé dans ma Bible et c'est marqué carnaval. Vraiment pas. Très bien. J'ai essayé avec toutes les saisons au milieu. Vous pouvez rentrer. C'est la galette des rois. Attention. La galette. Je contiens du sucre sans être sucré. Que suis-je? Une banane. L'aspartame. Un paquet de sucre. Pas loin. Un sucre. Un sucrier. Oui. Une glacière. Je peux rentrer deux fois du coup. Ah oui, ça sert à rien. Elle est conne, Jacqueline. Oh, elle s'appelle Arlette, t'es con. Je sais pas, j'aime pas ce prénom. Je donne ma deuxième énigme à monsieur là, le punk, monsieur le punk. Très bien. Alors attention, on donne rien aux hommes de Dieu. Je porte des lunettes. Merci beaucoup. C'est Eric. Je porte des lunettes, mais je n'y vois. Eric ne porte pas de lunettes en plus. Je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Oh, je sais. C'est un serpent. Non. Gilbert Montagné. Ah oui. Attends, tu parles vraiment de serpent à lunettes? Pourquoi pas? T'es con. Alors, Gilbert Montagné. Non, je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Qui suis-je? Je suis un aveugle. James. Oui, un aveugle aussi. Mais... Alors, ça marche, ouais. Un aveugle. C'est pas ça que je veux comme réponse. Un aveugle. C'était le nez. On dirait de la carambar. Écoute mon petit père. Plus on tire dessus, plus elle rétrécit. Un petit cachet plutôt. Les chaussettes. Un petit cachet. Plus on tire dessus, plus elle rétrécit. Qu'est-ce? Ma tub. Non. C'est inquiétant. Ah, ma tub. Oh. Daniel, tu te gourres. Ma tub. C'était la cigarette. Vous ne rentrez pas. Oh, et merde. Putain. Bon, écoutez, bah, moi j'avance, hein. Vous me cassez tous les couilles. Vous laissez rentrer notre ami. Non, je donne un petit mais pourquoi je vous pèterais pas la gueule? Petit cachet, c'est ça. Et que je passerai. Moi j'avance en tout cas, je vous laisse tranquille. Non, vous restez là avec moi pour m'accompagner à créer d'autres énigmes pour ceux qui viendront après. Vous avez niqué toutes mes énigmes. Non, bah vous avez le temps, vous êtes vieux. Ah, donc moi je peux y aller et eux non. Ah, c'est bien ça. Attendez. Je savais que Dieu était avec moi. C'était ça ou pas? Qui? Moi j'ai qui une a énigme. Gagné non. Allez-y. Un tas d'ivoire dans une chambre noire. Il va y avoir un vote. Un tas d'ivoire dans une chambre noire? Ah, je sais, moi. C'est une bouche. Des dents. Des dents. C'est bien. J'ai gagné. Bah, vous pouvez rentrer, je peux rentrer. avec du coup, vous me remplacez, monsieur Daniel. Hein? Putain, mais c'est quoi cette merde? J'ai pas d'énigme, moi. Ah, il va falloir le temps d'en trouver, mec. Du coup, je leur dis juste de passer, ou non, si j'aime pas leur gueule. En fait, je suis le videur de boîte de nuit. À ce moment-là, moi, je reste et je vous donne de quoi passer, d'accord? Ouais, c'est bien, ça. Bonne idée. Comment ça, tu me donnes de quoi passer? Tu me fais de la cam? Non, mais... Du coup, vous passez dans le passage secret. Enfin, vous pouvez passer dans le passage secret. Donc, vous arrivez et c'est clairement une ancienne aile de l'hospice qui a été abandonnée. Ouais, non. Du coup, j'ai vachement moins envie de mourir. Ça marche pas comme ça. Cette aile semble abandonnée. Donc, il y a quoi? On voit quoi? Vous entendez... Putain, le chat qui dégage. Vous entendez des cris. Oh, c'est bizarre. La fête. Un peu plus loin, des cris, une femme qui crie, bizarre. D'accord. Je me rapproche des cris parce que ça a l'air festif. Ouais. Vous comprenez... Je suis pas là du coup. Ah si, si, t'es là. Ah. Si, t'as laissé passer. On y va tous, je crois. Oui. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Très bien.
Non, c'est interdit, ça. Voilà, donc on y va. Ah, j'ai des jaunes, merde, c'est nul. Du coup, vous arrivez, et là, vous voyez effectivement qu'il y a une pièce éclairée dans toute l'aile abandonnée. Oh, et encore plus festif. Ça, je me dirige. Ça, ma petite poule. Un grand pas de défibrillateur. Non, de déambulateur. Ça, ma petite poule avec ton petit cul, là, tu vois. Bah, regarde bien, ça, c'est Jésus, ça, il est revenu. Idiote. C'est la lumière de Jésus. Du coup, vous entrez ou pas? Ouais, ouais. Enfin, d'abord, est-ce qu'on peut pas être discrètement jeté à l'œil? Bah, non, le plus discret, c'est toi. En ouvrant, ah bah, alors en j'y la vais, porte. Vas-y. D'accord, non, bah, d'essayer de discret, mais Arlette, elle défonce. Attendez. Attendez. Mais non, pas trop tard, voyons. Je peux te retenir par le col, t'es une femme vieille. Oui, mais je suis plutôt habile, alors s'il me retient par le col, je lui mets mes doigts dans les yeux. Ouais, mais t'es habile comme une vieille aussi. Elle te met les doigts dans les yeux. T'es fort comme un vieux. Vas-y, tu jettes un dé. D'accord, si ça fait pair, c'est Cécile qui gagne. Si ça fait un pair, c'est toi qui gagne. Cécile gagne. Bah tiens, quelle surprise. Bon, et bah du coup, je rentre dans la pièce. T'es aveugle, du coup. Oh, putain, tu rentres dans la pièce. Et là, tu vois, il y a la directrice de l'hosto qui se fait défoncer par un des vieux. Moi, oh, je fais charger révolution et je fonce dans la pièce en essayant d'amener les autres. Elle est d'accord. En train de se faire pignoler là. Moi aussi, tu... Allez, moi je commence à baisser mon froc. D'accord. Moi je dis pas. Alors, on baisse. Alors, du coup, elle se rend, elle fait qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle dit mais j'ai pas fini moi, qu'est-ce que c'est. Elle a défoncé, baisé Zivrox, voyons. Alors, voyons. On en a encore en bouche. Il y a la directrice qui est à poil devant vous, le vieux à poil devant vous, et du coup, Zach est le pantalon baissé. Debnet, tu vois flou. Ouais. Jacques, tu viens d'arriver les bras écartés, prêt à te battre. Et toi, Arlette, t'es là en train de dire oh, ça fait longtemps. Donc, que fais-tu? Ça, je dis... Il est comment le vieux? À oui. Poil. Qu'est-ce que, le vieux à poil. C'est plutôt baraque. Une ancienne célébrité qui était plutôt baraque. D'accord. Je dis, oh, ben pardon, messieurs, dames, on va vous laisser, du coup. Hein. Ah, mes camarades, on va vous laisser. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas... Bah, vous êtes en train de vous taper Dwayne Johnson. The Old Rock. Et les gars, c'est comme ça. Avec sa sourcil de relevé. Non, mais les garçons, on va peut-être y aller. Et vous, monsieur, si jamais, voilà, ça baisse, si vous avez besoin de petits cachets et tout, je connais des. Enfin, on peut toujours s'arranger. Voilà. Attendez, de quoi vous parlez là par contre? Il est en train de mener une révolution, il faut aller l'aider. D'accord. Allez, moi j'y vais. Qu'est-ce que tu fais, Zach? Moi je fonce dessus avec mon gourdin. D'accord. Bon, genre, je fais, allez, on y va, on se met tous dessus. D'accord, donc là, sur le vieux. Non. Ouais. Ah putain. Du coup, le vieux, il fait, donc, Dwayne The Rock, il est pas super partant, tu vois, mais du coup, il a son sexe en main, prêt à t'affronter, et toi aussi. Du coup, là, ça va être. Il y aura un combat de sexe. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Dieu, il a dit, la sodomie, c'est gratuit. Du coup, ça dépend. Je crois pas qu'il ait dit ça. Non, je pense pas non plus, non. Et c'est pas forcément gratuit. Du coup, il a son sexe en main, du coup, il fait la première attaque. Il te touche. Ok, bah moi, je commence à me faper. Pour... tu passes ton tour pour... Quoi? D'accord. Du coup, lui, il te retente et du coup, bah, il te retouche encore. Donc là, t'es vraiment blessé. Ton ego est blessé. Putain, mais arrête de me mettre des bifs, Dwayne. Il est dur comme un roc. Que fais-tu? Putain, mon chibre est plus ce qu'il était. Qu'est-ce que tu fais? La directrice, elle regarde. La directrice, elle est comme ça. Elle se branle sur le côté. Oh. Hey. J'ai envie de te péter ton petit cul et le sien. Je vais faire ce que j'ai besoin. Don Johnson te met KO. Avec la teuf, il fait un...
Tu vois, il tourne sur lui-même en même temps que dans un scope avec sa bite. Et toi, tu voles en arrière. Oh, oh, oh. Merci, okay. Anaïs. Finish him. Je vais voir la directrice. Je lui parle. Oui, oh. Si, elle est en train de se branler. Quand même un peu gênant d'avoir plein de témoins pour tout ça, non? On s'en fout, vous allez tous crever bientôt. Passer tout le monde. Elle fait passer tout le monde participe. Je lui tends ma brosse à dents pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire avec. Oh non. Oh, c'est sale. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je sais pas. Ça avait l'air d'être un geste amical. Ayez de l'imagination un peu. Est-ce que vous avez de la monnaie pour le café? Bon, du coup, je la vois bien à poil, une brosse à dents à la main. Avec un mec qui vient de se mettre fermé de KO par un autre mec par coup de bite. Et il y a un mec qui vient lui demander s'il y a du café. Et bien, si elle en veut pas. Café. Moi, je reprends ma brosse à dents. Je tiens à dire à Jex que Dwayne Johnson, il est un peu. Ah ouais? Ah ouais? Il a pas décrit le mec, hein. Il a juste dit que c'était. Ah, mais c'est Dwayne Johnson, c'est tout. C'est Dwayne Johnson. C'est... J'ai pas besoin de l'écrire. Il y a quoi d'autre dans la pièce? Bah, il est bronzé, ça va. Bah, il y a rien d'autre, mais vous voyez qu'il y a aussi un stock de vieux objets. Ah, genre. Attends, je vais voir le stock de vieux objets. D'accord, c'est des vieux trucs en métaux, des vieux. Pointu? Oh, ouais. Oh. Moi, je suis toujours KO. Bien pointu? Bien pointu, ouais. Ah, ça m'intéresse, ça aussi. Ouais, forcément. Et ben j'en prends un. Oui. Bien pointu. Quoi la meilleure façon que tu peux. À mon avis, c'est de te mettre un grand coup de canif ici au niveau de du cou. La jugulaire. Et immédiat. Et ben ça coupe ou c'est pointu? Les deux. Les deux, c'est des vieux trucs rouillés, etc. Ça coupe, oh, ça coupera en plus, toujours. Tu peux choper le tétanos en même temps, merveilleux. Alors, je sors les pilules de ma poche, je les lance vers les autres et je dis, tenez, comme ça, vous vous rappellerez de moi. Et je me tranche la jugulaire si j'y arrive. Avec, Allez, tire un dé. Tu arrives, au moment où tu te tranches la jugulaire, il y a TF1 qui rentre avec l'équipe de tournage parce qu'ils ont entendu du Ramdam, etc. et qui filment tout. Donc toi, tu te retournes, t'asperges de sang tout le monde, tu tombes au sol. Tu peux parler ou pas? Non, je peux plus parler. Bah si, tu peux parler. Hein. N'oubliez pas, aimez votre prochain. Du coup, ils entendent. Je prends une boîte de pilules et je jette toutes les pilules par terre. Comme ça, si c'est de venir, ils peuvent glisser dessus. C'est tout fait, mais ça fait genre... 5 pilules qui tombent, tu vois. C'est genre juste pathétique. Ils ont... En plus, ton geste n'est pas très élégant, donc ils ont juste l'impression que tu l'as mal pris, que tu l'as fait tomber, tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'essaie de vite me jeter sur le morceau. T'essaies de quoi? De me jeter sur le morceau de métal là, à côté de... D'accord, bah tu te jettes dessus et effectivement, tu te plantes, mais en fait, tu tombes et ça te coupe l'artère fémorale, tu vois. Genre, ça, c'est en... comme ça, donc ça te coupe l'entrejambe. Et du coup, tu te vides en moins d'une minute. Hein, là, et pendant que je me rends de moi, je fais « Révolution, vive leur... Ouais, l'antisystème, c'est nul !» Trotsky avait raison. Du coup, il y a la journaliste qui fait « Mon Dieu, mais c'est un culte. Vite, filme !» Du coup, il y a la caméra qui filme tout ça et tout. Donc, et avant de mourir, je dis à la caméra « C'est la directrice qui nous a forcé à faire ça !» Du coup, ils entendent « C'est la directrice !» Très bien, du coup. Bah, elle était en train de se branler sur un coin et là elle essaie de se rhabiller tranquillement rapidement pardon pendant que l'équipe de TF1 est en train de la filmer et de l'interroger, mais ils filment vous en même temps, donc les deux autres débounaient tout. Et moi on va dire que je me réveille ou pas? Ah non, mais t'es KO, t'es par terre, ça va. Du coup je fais oh Dwayne, viens, il y a même un studio de production qui est venu filmer, allez viens, là je commence toujours à essayer de t'enculer. Du coup, Dwayne, il aime vraiment pas, mais du coup, là, il te fait un finish move. Du coup, il saute en l'air et il te retombe dessus avec sa tub en te frappant, mais sauf que ça te tasse. Tu vois, ça te tasse la tête à l'intérieur de ton, de ton truc. Donc, t'as ton menton qui rentre un petit peu dans ta cage thoracique, tu vois. C'est... Et donc, t'es assommé par sa tub et tu tombes et tu meurs dans la minute qui suit. Tu peux encore parler un petit peu, si tu veux. T'as le droit de dernier mot. Ouais, cet enculé de Dieu, je l'ai retrouvé. Ils ont entendu... Je l'ai retrouvé.
Du coup, là, je leur fais un doigt. Je leur fais un doigt. Je fais un doigt à la caméra. D'accord. Et il reste plus que toi. Oh, bah tous mes potes sont partis. Le truc qu'on aurait pu faire depuis le début, c'est. Allez, j'estime que tu. J'estime que t'as moitié de chance de réussir. Oh non, je vais encore le rater. Non, tu réussis un, tu fais un succès critique. Ouais. Donc tu fais ça et ça. Et ça se remet en place. C'est genre, pendant quelques instants, c'est normal. Et du coup, ta tête devient violette et tu tombes par terre. De la directrice. Du coup, je vous laisse imaginer le reportage TF1. Et du coup, la directrice, bah, du coup, voilà, du coup, c'est à cause de ça que les plannings ont changé hein, pour Eric. Du coup, voilà, c'est pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé pour ce jeu étrange. Il y a eu comme, un... comme une thérapie là. J'ai rencontré Dwayne Johnson avant de mourir. C'est quoi ce scénar? Il n'y a pas de scénar, c'est ça qui est marrant. C'est du freeform. Là. Alors j'avoue que le mourir était un peu compliqué à gérer. Un peu trop, ouais. Justement, facile et en même temps assez dur. Bon, mais t'aurais pas dû nous donner des objets pointus. Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais pas dû nous donner des objets pointus. Oui, mais à ce moment-là, c'était un peu la fin, justement. Le but, on a essayé de faire durant, on n'a pas moi, cherché à suicider. Moi, je me suis fait tailler ma brosse à dents avec mon dentier pour me planter. Hein. Bah, ouais, je me disais bien que tu voulais faire une espèce de surin avec ta brosse à dents. Ouais. Ouais, j'espère qu'on aura foutu la directrice dans la merde. Mais... C'est le seul, c'est Dwayne Johnson. Et imagine l'infirmier qui arrive sur ses entrefaites. Ah oui, et là t'as Eric qui arrive. Et t'as Eric qui arrive. En plus, c'est sa responsabilité. C'est lui qui a amené les journalistes. Il a fait mes putains de... Est-ce que j'aurais dû me suicider avant de sauver ce pauvre homme canard? On ne saura jamais ce qui s'est passé pour cet homme canard. Et ouais. J'arrive pas à bout. Des personnes âgées, une directrice nymphomane, un culte démoniaque. Ce soir, nous avons tout pour montrer. Il n'y avait pas de culte démoniaque. Bah, on s'est un peu fini. Après, c'est la déformation de TF1, le culte démoniaque. Mais voilà, c'est ça. Quand on se suicide et tout. J'avoue que oui. C'est là qui se jette sur le même. Oh. C'est un peu violent. Mamie Bonbon, elle a de la race. Qui, je le rappelle, était... Parce que voilà, ce qu'elle cachait, c'est que... Justement, je te laisse dire. De la vente à domicile. Et de la vente à domicile. Ouais. Des drogues. Non. Ah, d'accord. Des aides médicales. Pour personnalisées. Les gens soient plus la heureux. Fameuse Marie-Jeanne. Ouais. Ah, mais oui. Je me souviens. Elle venait souvent se confesser. C'est pour ça que j'étais très zen, comme ma mamie. C'est la copine à Spider-Man, c'est ça, Marie-Jeanne. Maxime qui essaie de tous nous gérer au début. On ah bah oui, mais c'est ça qui est drôle. Après, c'était aussi le côté infirmier qui marchait bien, quoi. Donc, c'était le bordel. C'était le bordel, en effet. Là, tu sens, on va. Du coup, je reviens juste dans 5 minutes. Je suis désolé, j'arrive. Ah. À tout de suite. Attendant, et il ne revint. Je vous laisse discuter avec le chat. Oh, je me suis encore pissé dessus. Oh. Bon, bah, Zach, t'es content, t'as pu faire un vieux? Oui. Il aime bien faire des vieux. J'aime bien faire les vieux cons. J'espère que ça vous a plu. Ils font chier le monde. Mais en fait, j'aimerais bien un vieux dans un. Tu sais, genre dans un truc, on fait un truc en dungeon crawler et puis je vous nique la gueule en étant un vieux. Alors, on a demandé à Barbare. Ouais, tu fais un mage, c'est lourd. Passer, hein. Bah, oui, un vieux mage. Ah, je pourrais faire un vieux mage. Un vieux sorcier, c'est mieux, hein, je crois. En plus, très possiblement, on finirait juste par t'achever par charité, parce que ces mondes-là sont pas faits pour les... Vous ne passerez... Aïe ! Oh non, j'ai fait tomber ma canne. J'ai tapé trop fort, les vibrations m'ont fait mal au poignet. Oh, oh, j'ai de l'arthrose. Oh non, j'ai encore de l'arthrose. Faut que j'arrête de taper avec mon bâton sur le sol. J'avoue que le but était très rigolo, mais qu'au final, je pensais que ce serait une maison de retraite plus surveillée et que ce serait plus dur de mourir. Il y aurait des gilets jaunes partout. Non, ça suffit avec les gilets jaunes. Ça suffit, arrêtons. C'est pas drôle. Après, c'est dur, faut que Maxime, il improvise tout, sachant qu'on fait n'importe quoi à côté. Ouais, mais j'aimais bien le côté début où ça, j'imagine vraiment le genre...
tu réveilles des vieux qui font « Oh, mais alors, qu'est-ce qui... Oh, mais... » C'est genre juste le bordel à gérer. Je veux dire, le mec, il doit gérer. Encore ça va, c'est trop, elle se prépare tranquillement, mais bon, il y a toi qui fais bordel, moi qui commence à partir de mon côté tout seul, l'autre qui va partir chasser. Mais en plus, je t'imagine en déambulateur, bon, j'y vais, hein. Tu sais, le mec, il est même pas, il arrive. Je les couilles, je me casse. 5 minutes après, il est juste à la sortie de la chambre, quoi. Je vous attends pas, moi. Mais du coup, moi, je suis vraiment intrigué par l'histoire du canard et du mec. Oui. Ils avaient échangé de corps. On a demandé des précisions. Les os qui cassent à chaque fois. Ouais, c'est vrai que c'était bizarre le coup du vieux qui a changé son corps non, avec le. Delta Green, c'était des scénarios préparés à l'avance. Après, il essaie de s'adapter à nos choix, mais en même temps, nous, on fait pas non plus n'importe quoi. On essaie de résoudre l'enquête. Mais si, alors les premiers trucs, on a fait n'importe quoi parce que vous m'avez laissé tout brûler. Eh oui. Mais c'était drôle. Oui, moi, bon, j'étais pas conscient, excuse-moi. De quoi? J'étais pas conscient quand elle a tout brûlé. Je le rappelle. Ah, oui. Non, quand j'ai dit là, on brûle toutes les preuves, on brûle toutes les preuves, on dit rien. Non, Delta Green, il y a moins d'impro que dans ce genre de soirée, je veux dire, quand même très très, très préparé. Mais c'est intéressant le côté impro comme ça, parce qu'en fait, ça nous oblige, nous, à être plus réactifs aussi. Mm. Donc c'est plus intéressant aussi, parce que quand c'est trop préparé, en fait, tu te dis, ok, bah, mon personnage, il est comme ça, donc faut pas que j'oublie ça, donc en fait, t'as tout de suite un fil rouge, que là, c'est un vu. Là, voilà, c'est totalement improvisé sur le moment, donc il n'y a pas vraiment de gros background, même pour notre personnage. Oui, ça et même avancé, il n'y a pas de ligne toute tracée, quoi. Donc, c'est, Et ben, je préfère, moi, avoir un personnage assez bien défini, parce que sinon, je redeviens moi assez vite. Mm. Bah, normalement, le point fort et le point faible va orienter ta manière de jouer, normalement. On n'a pas beaucoup, oui, c'est ce que j'ai fait, servi mais... du point fort et du point faible. Bah, moi, j'étais toujours contre les règles. C'est vrai. Et moi, j'ai pas bu d'alcool. C'est vrai, t'as pas eu l'occasion. Bien, dans une maison de retraite, il n'y en a pas des masques. Si. Vous êtes le fameux Dwayne Johnson. Entre. Petit Margoulin, vous êtes en train de lui mettre sa pétée. Et en fait, c'est ce que tu aurais dû faire. Hein. C'est ce que tu aurais dû faire cramer tout. La maison de retraite, comme ça, on meurt brûlé dedans. Non, parce que j'étais gentille. Ça aurait été si j'avais été mort. Malheureusement. Ça aurait été drôle d'aller dans les cuisines, faire péter le conduit de gaz. Et Martine, n'oublie pas de laisser le gaz allumé. Hein. Imagine si on avait fait la maison de retraite avec nos personnages de Delta Green, mais vieux. Ah oui, ça aurait été drôle, ça. Ça aurait été trop drôle. Et moi qui me cherchais désespérément des sédatifs pour pouvoir m'échapper à mes... mes aides-soignants. Ça. Prendre du recul. Hein. Du recul, oui. Là, c'est pour Ozek, ça. Mais ça va. Ah, ça va trop bien. Allez, prochain Delta Green, on fait des vœux. La maison de retraite a brûlé. Voilà. Enfin. Et puis, avec les qu'on aurait gardé nos troubles, c'est moi qui. T'es complètement mégalo. Non, moi j'ai trois personnalités. Tu pars en fuyant dans les jardins de la résidence à poil. La mer. T'appelles les grands anciens parce que tu penses que c'est les seuls qui sont à ta hauteur. Bah, exactement. Nyarlathotep en maison de retraite. Fun quoi. Ouais, le chat est tout calme d'un coup, vous n'avez plus rien à dire. Ça biche le chat? Ah, c'est peut-être parce qu'on leur parle pas, mais moi je vois pas le chat. Moi je les lis. Hein. Parlez-nous. Les chats, posez vos questions aux gens. Allez, voilà, vous avez le droit de leur poser des questions indiscrètes. Genre, des questions discrètes, si vous voulez. Ou discrètes. Au tatouage mortel. En MP. Bonne nuit, Léon Taris. Tous les mots JDR, Prince of Persia, bah oui. C'est vrai qu'on n'a jamais fait un... Il le regardera en venance, de Corbeau Blanc. Patience. On n'a jamais fait quoi? En fait, si on a fait un question-réponse, plus ou moins. C'est le débrief. Pourquoi Dwayne? Parce que je sais pas, il a eu envie, c'est venu d'un coup, je pense. Désolé. Petit souci technique. Hop. Du coup, les plannings du live de cette semaine va être compliqué. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais. Enfin, il va certainement changer en cours de semaine, tout simplement. Parce que. Changer d'horaire ou changer de thème? De thèmes pour certains lives, c'est possible. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Tant que le live les horaires, grave, je pense que. Oui, les horaires sont là. Les lives sont là, je veux dire, mais. Ouais, c'est bon alors.
Attendez. Ouais, il faut juste pas s'attendre à un thème fixe. Bah, c'est juste qu'il y a certains lives, enfin, notamment celui du vendredi, que je peux pas garantir. Donc, lundi 21h, hop, ça sera un live blabla. Oh. T'aimes pas les lives blabla? C'est trop bien les lives blabla. Donc, avec Eric et Alexis, certainement, je vais mettre. T'as déjà défini le thème ou pas encore? Non. Ça sera freeform, je pense. Ensuite. Mardi. Alors, est-ce que ça sera à 21h? Je réfléchis, hein, pour pas vous dire de la merde. Excusez-moi, je réfléchis. Alors, mardi, on va mettre 23h. Attendez, parce que je dois calculer un truc. Parce qu'on va à un lieu et j'ai pas envie de vous dire qu'il y a un live à 23h si on ne sera pas rentré ou si on peut pas rentrer à cette heure-ci. Je regarde juste l'itinéraire. Hop. De Reims à autre lieu. Londres. Londres. Peut-être bientôt aussi. Hop. On va dire que c'est... Ouais, que c'est là à peu près. Et qu'on va partir sans autoroute pour éviter les blocages. Ouah, ça se fait, hein. Donc 2 et 2. Donc ça fait 4, ça fait 5. Donc, attendez, je calcule juste vite fait. Bonne nuit, quartier. 13 plus 5, ça fait déjà 18h, ça fait 5h sur place. Écoutez, on va mettre 23h. On est... Voilà. On est quoi? C'est pas un tournage, c'est un... C'est une visite de lieu, de tournage. Ah, d'accord. Ouais, je vais mettre Gloopy Aurore. Comme ça. Ah, déjà nul. C'est possible. Ensuite, mercredi. 21h, JDR. Jeudi. Oula, je sais pas écrire. Jeudi, 21h. Je pense qu'on va mettre un Gloopy Multi. Enfin, live coop. Les gros guillemets à coop. Ensuite, on a vendredi. Alors, on avait dit quoi vendredi? On avait dit quelque chose vendredi, je crois. Non, c'est samedi. Alors, vendredi, je pense que... Vendredi, on est le 7, c'est ça? Ok, donc vendredi, c'est sûr. Je pense que c'est le jour où Eric part. Donc, vendredi, on pourra faire un marathon ou un truc comme ça. Ou live Lego. Écoutez, on va partir sur un marathon. Tu voulais pas lancer ton live Lego vendredi, justement? T'en avais pas parlé hier? Non, c'est samedi. Samedi? Samedi, 21h, live Lego. C'est ce que tu fais déjà? Quoi? Tu fais déjà? Comme... Ça. La muraille. Ouais. Hop, pour le t'as premier. T'as montré aux gens ta petite construction? Ah, oh, il est cool. De quoi? T'as montré aux gens la... Non, mais je vais les montrer justement pendant ce live-là. C'est pour ça que j'ai pas dit... ça fait trop louche. Tu leur as montré, là? J'avoue, j'ai montré. Pour le marathon, est-ce qu'on termine Array of Sorrow ou est-ce qu'on fait autre chose, les gens? Faut terminer, t'étais à 70%. Terminé. Quoi? T'étais pas à 70%, un truc dans le genre? Ou 66? 60. Mais après, il y a aussi Détroit. Marathon de vendredi... Voir. Détroit. C'est quand même un bon jeu. Castlevania Area of Sorrow. Autre chose. Votez. Maxime, les développeurs de Pine Tree Drive ont sorti un nouveau jeu. C'est vrai? Qui s'appelle, mais c'est pas un jeu d'horreur, c'est Police Helicopter Simulator. Putain, ils se mettent au simulateur, que c'est vraiment des grosses puces. Ah, mais c'est ce qu'ils font principalement, en fait, je crois. D'accord.
Voilà, c'était un simulateur de clé, non? Enfin, d'ouverture de porte fermée à clé. Ouais, il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être les clés du... de l'hélico, hein. L'hélico est fermé à clé. Trouvez la clé. Il est dans le hangar fermé à clé. Professional Farmer 2017 Cattle and Cultivation. Ça, c'est... Mmh. C'est, ça, c'est... En fait, c'est parce qu'il y a Farmer Farm Simulator qui marche de ouf. Et ils ont dit, tiens, on va essayer de faire ça. Ça marche vraiment. Alors, bien, Détroit, je vous rappelle qu'on le finit. Hein. Il nous reste genre. C'est pas un marathon, c'est 3 heures hein, qui reste au max. Hein, bah, crois. On peut finir Détroit et machin, peut-être. Bah, Aria of Sorrow, il reste beaucoup plus par contre. Ah, d'accord. Aria of Sorrow, il reste genre 5 heures. Parce que, en gros, le truc qui est compliqué, c'est pas de terminer le jeu, c'est de terminer à 100%. Parce qu'on veut le terminer à 100%. Pour avoir la vraie fin. Bon, vous votez pour autre chose en majorité, donc on va faire ça, on va faire autre chose. Parce que après, il y a la semaine d'après, on peut continuer. Donc, quel jeu en marathon proposez-moi des jeux en marathon. Voilà, bah, j'avoue, Tentacle Book, c'est quand même nul. Moi, je trouve ça marrant, regarde. Alors, on peut faire, comme j'ai dit, un marathon plusieurs fois, hein, il n'y a pas de souci. En plus, je trouve très malin et très ludique le fait d'analyser ce qu'on peut faire comme mouvement avec... On peut commencer The Last of Us. Bah attendez, je vais mettre les trucs. Hein. Donc il y avait The Last of Us. Ah, on va pouvoir critiquer. Zelda Link's... Enfin, on va mettre Link's Awakening. Enfin, je vais mettre Zelda Link's Awakening au cas où. Zelda Link's... Ouais, Kenning. Ce sera pas un marathon à proprement parler, mais on commence grandement, quoi. On a toujours Transistor à faire. Ah, il coule, Transistor. Ouais, il est cool. Ouais, c'est vrai. Hyper Light Drifter, le problème, c'est que je ne crois pas qu'il soit finissable en un live. Je vérifie. Ça dépend. La durée. Ouais, elle est compliquée, parce qu'en vrai, l'histoire principale fait 7h30, mais en vrai, c'est 12h. Et le truc, c'est que c'est très compliqué de savoir... quand s'arrêter quand tu fais des missions secondaires, et c'est le genre de jeu où si tu fais des missions secondaires, ton jeu va être mieux. Donc, pourquoi pas. Je le mets, mais ça veut pas dire qu'on le terminera en live, quoi. Ok. Bon, allez, votez, il y a 4 choix. Votez. Intéressant. Moi, je vais voter ça, tiens. Parce que je l'ai jamais fait, donc... Bah, j'ai pas envie de l'acheter. Moi, je vais voter... Franchement, ils me plaisent tous. Sauf le 4. Le 4, c'est pas qu'il me plaît pas, c'est juste que ouais, je trouve ça dommage parce qu'il est trop entre deux, en fait. C'est typiquement le genre de jeu où je pense vraiment qu'il vaut mieux le faire en plusieurs lives. Parce que, en fait, les jeux de 12 heures, c'est super frustrant en marathon parce que t'arrives et genre ça fait genre « Hey, il reste plus que 4 heures !» alors qu'on a fait 8 heures de live. Ouais, mais non, en fait, il reste 4 heures alors qu'on a fait 8 heures de live. Si tu fais 6, ça fait un peu court. Bah 6, c'est genre t'es en plein milieu quoi quand t'arrêtes. Donc, c'est bizarre. Ah, gros combat entre The Last of Us et Link's Awakening. Hein. Je vérifie la durée de Link's Awakening. Ah, c'est quand même 15 heures. C'est des jeux où on voit deux femmes s'embrasser, là. Moi, je trouve que tout fout le camp. Link's Awakening, c'est 15 heures. Alors que The Last of Us, c'est 15 à 17 heures. Très intéressant. Très très intéressant, les deux sont à la même durée, donc je peux pas vous dire l'un est mieux que l'autre. Après, dans The Last of Us, il y a Left Behind qu'on fera, hein, clairement, qui dure plus longtemps. Donc techniquement... Quoi, c'est un DLC ? Ouais, c'est un DLC. Bon, et bien c'est parti pour The Last of Us. Du coup, marathon The Last... Oh, comme ça on pourra voir ce que ça vaut un peu. Bah, je pense que c'est un bon marathon, ça marchera bien en marathon. Donc je répète, lundi 21h, live blabla avec Eric et Alexis, mardi Gloopy Aurore avec Eric et Alexis, mercredi JDR avec Eric et Alexis, jeudi live coop normalement avec Eric et Alexis, mais je ne peux pas garantir la présence d'Alexis, vendredi marathon The Last of Us, samedi live Lego, dimanche JDR du dimanche, comme d'habitude. Encore une fois, je ne peux malheureusement pas garantir Cthulhu pour dimanche, mais si jamais on fera la suite du live donjon qui était Dungeon cool. Chrome. Donc voilà. Du tombeau du serpent roi. Du roi serpent. Maxime, tu peux look tes mails? Je peux. J'en suis capable. Oh là là, Sir Muscox, du coup. Ça suffit. Ça serait un bon son de sub, ça. C'est quoi?
Oui, mais je suis plutôt habile, alors s'il me retient par le col, je lui mets mes doigts dans les yeux. Ouais, mais t'es habile comme une vieille aussi. Oui, mais je suis plutôt habile, alors s'il me retient par... Le son est abominable, donc non. Mais ouais, c'est une bonne idée. Ok, et ben du coup, je vous dis à demain soir, 21h, pour un live blabla avec Eric et Aleski. Et c'est déjà pas mal. Du coup, débounez tout et. Donc, Zach, toi, t'as confirmé pour le nouvel an, c'est ça? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et donc, Debnet et Jacques, vous allez vous entre-confirmer en fait, c'est ça? Moi, je te confirme dès que ma femme a plus d'informations sur son nouveau taf. Yep. Mais ça sera dans la semaine, je pense. D'accord. Et du coup, Jake, c'est pareil, en fait, en gros. Bah ouais, s'il peut pas, faudra que je pense que je pourrais venir. Ça sera ouais, c'est juste plus compliqué, chiant. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, s'ils viennent pas, moi j'annule mon train, j'annule mon travail et je viens les remplacer. S'ils viennent pas, ça m'arrange. Hein. C'est quelqu'un. Et du coup, le live de ceux qui ne fêtent pas le nouvel an, donc j'ai des jeux à la résistance, j'en ai plein. Donc on pourra faire ça. On fera aussi du coup certainement du JDR fun et comme on a l'habitude de faire. Il y aura un concours de dessin nul, ça m'avait beaucoup plu la dernière fois, et on fera du esquisser certainement parce que c'était très fun. C'est donc, très drôle. Est-ce qu'on pourrait être aussi borderline que l'on est dans le privé? Pas autant. Il y a des trucs qu'on peut juste pas en fait. Mais oui. La dernière fois c'était très borderline. Mais on peut être borderline mais pas à ce point. Nul en dessin. Moi. Justement, c'est pas le drôle. But. Je crois qu'on est bon en dessin. En gros, il y avait Alexis qui savait dessiner. Et nous, on Alexis essayait de retourner le game, mais il n'y arrivait pas. Mais en du plus, coup, il était juste après moi, il était trop bête. Esquissé de l'année dernière, me l'a fait acheter, c'est tellement cool. Non, mais là, c'est juste fou. En plus. Nous, maintenant, on a de nouvelles règles, j'ai envie de dire. Mais, c'est bon. N'importe quoi, ça, Maxime. De toute façon, c'est très bien que vous allez juste vous bourrer la gueule, comme d'habitude. C'est vrai que c'est bien. Voilà quoi. Mmh, du coup, Maxime, il n'y avait que du jus de raisin. Je ramène. De quoi? Du coup, je ramène la drogue. Enfin, tu sais. Les churros. Les churros. J'ai mangé des churros hier. Non, avant-hier. Du coup, ça m'a fait rire. Et je voulais prendre une photo, mais le problème, c'est que porter des churros rend impossible de prendre des photos de quoi que ce soit. Tout à l'heure, j'ai pris une belle photo que je vais vous montrer en live. Qui m'a fait beaucoup rire parce que j'aime bien en fait quand je vais faire une balade près du canal, il y a un truc, vous savez, les boîtes où vous laissez des livres. Oui. Il y a un caca. Et du coup, j'aime bien laisser. Enfin, j'aime bien regarder ce qu'ils proposent. Et du coup, ils proposaient ceci. Tu vois pas le viol du clan des 7. Oh putain, d'accord. Donc, je les apprends. Bonne lecture. Les churros qui font rien, tout à fait. Et du coup, et ben, c'est cool. J'ai vraiment hâte de tout ça. Et ça va être une semaine plutôt chargée pour moi. Et en live, bof. Bon, après, vous avez quand même le marathon, le live Lego, le JDR du dimanche, ça va être plutôt cool. Bisous, bisous, bisous partout. Je vous dis à la semaine prochaine, donc à tout à l'heure, en fait, à demain soir. Et peut-être que Eric sera regardé par les Gilets jaunes et que le live blabla, il y aura que moi et Alex, si c'est possible. On ne sait pas. Ah oui, c'est pas improbable. Sur ce, générique de fin totalement improvisé à 5, dans 3, 2, 1. Blabla, blabou. À la yeah. Badou. Ouais, joie, à joie, la bonheur. À la ouais, à Zach. La ouais.